Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, et chères grenobloises et chers grenoblois qui suivez ce conseil, la séance d'aujourd'hui est singulière. Elle doit nous permettre d'examiner sereinement des délibérations importantes pour notre ville, qui étaient à l'ordre du jour la semaine passée, avant que les événements que nous connaissons tous viennent abréger le conseil municipal. Je tiens à vous faire part, au nom de toute la majorité municipale et de très nombreux grenoblois qui nous en ont parlé cette semaine, de notre condamnation claire et nette du coup de force qui a empêché la vie démocratique de mener à bien ses activités. Car c'est bien d'un envahissement inacceptable dont il s'agit, qui a choqué les élus, les agents de la ville qui étaient à nos côtés, un événement qui a mis mal à l'aise un très grand nombre de nos concitoyens. Un envahissement violent qui a conduit notamment l'un de nos policiers municipaux à se faire bousculer et à être en arrêt pour le reste de la semaine. Je tiens de nouveau à remercier les agents pour leur professionnalisme et leur sang-froid ce soir-là. À l'heure où notre société doute d'elle-même et semble en quête de nouveaux repères, l'ensemble des composantes républicaines d'une assemblée démocratique doit être unanime dans la protection du cadre de la délibération publique. C'est ce que nous avons de plus précieux. Hélas, nous constatons avec le plus grand regret que les oppositions républicaines ont manqué ce rendez-vous. Pas une seule parole publique de condamnation n'a été prononcée. Et sur le fond, aucune cause, aussi légitime soit-elle, et nous savons tous ici que l'inquiétude des salariés mérite réponse, n'autorise que l'on s'aborde les institutions de la République. Sur ce point, je ne ferai jamais d'amalgame entre la vitalité citoyenne, qui est l'une des forces de notre ville, celle qui respecte le cadre, et les coups de force, les intimidations sur les personnes. Entre ceux qui font vivre le débat public et ceux qui veulent le faire taire, en paralysant volontairement le fonctionnement des institutions et des assemblées. En ce qui concerne l'objet du conflit, nous aurons, comme nous y sommes engagés, un échange avec les représentants de l'intersyndicale demain. Et je tiens d'ores et déjà à saluer le fait qu'ils ont démontré que les coups de force ne sont pas une fatalité et que, quels que soient les désaccords, le dialogue est toujours l'alternative à la surenchère, aux contre-vérités et aux instrumentalisations. Pour ma part, devant les Grenoblois, j'ai pris et nous avons pris l'engagement de réaliser un service public de l'énergie à l'échelle de la métropole. Je ne dévierai pas de ce cap. Je serai et nous serons toujours du côté d'un service public innovant, de qualité, pour ses agents comme pour ses usagers. Notre ville doit faire face à de beaux défis et faire le choix du service public, pour peu qu'il soit soutenu politiquement, c'est faire le choix de l'avenir. L'ordre du jour appelle maintenant une série de délibérations qui, comme la végétalisation de l'espace public, la libération des données publiques, l'accueil d'enfants dans un EHPAD, participent à la construction d'une ville pour tous. Il en va de l'intérêt général que nos débats se déroulent dans le respect mutuel et que la raison reprenne ses droits. Nous passons, je pense que les applaudissements ne sont pas nécessaires. Nous passons à l'appel. Elisa Martin. Vous aurez, Monsieur Chamussy, l'occasion de répondre tout au long de la soirée. Bien, bonsoir à tous. Monsieur Chamussy, vous avez donc 2 minutes de suspension de séance. Ils vont s'en aller. Bah oui, ils vont s'en aller.
Il n'y a pas de mise en cause personnelle. Nous ouvrons maintenant ce conseil municipal avec l'appel. Non. Vous aurez tout le loisir. Il n'y a pas de mise en cause personnelle. Monsieur Chamussy, vous aurez tout l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. Vous êtes en train de la faire, là, votre explication. Oui. Bien, allez, on fait l'appel. Éric Piolle, Elisa Martin, Akib Sabri donne pouvoir à Madame Compara pour la soirée, Kéra Capdepont, Bernard Macré donne pouvoir à Antoine Bach pour la soirée, Corinne Bernard, Sadok Bouzaïem, Laurence Compara, Emmanuel Carroz, Marina Giraudelin donne pouvoir à moi-même pour la soirée, Monsieur Chastagnier-Thierry donne pouvoir à Madame Yassia pour la soirée. Jacques Tamondane donne pouvoir à Monsieur Denoyel pour la soirée. Pascal Couer, Laetitia Lemoine, Alain Denoyel, Lucille Lheureux, Vincent Fristot, Catherine Racos donne pouvoir à Monsieur Confesson pour la soirée. Fabien Malbé, Maud Tavel donne pouvoir à Monsieur Carroz pour la soirée. Jacques Viard donne pouvoir à Monsieur Bertrand pour la soirée. Antoine Bach, Olivier Bertrand, Marie-Vonne Boileau donne pouvoir à Monsieur Mongaburu pour la soirée. Marie-Madeleine Bouillon donne pouvoir à Monsieur Marguet pour la soirée. Alan Confesson, Monsieur Coutaz donne pouvoir à Monsieur Abfast jusqu'à son arrivée. Suzanne Daté, René de Séglier, Salima Gildel, Christine Garnier, Klaus Abfast, Martine Julian, Claire Kirka-Charian, Raphaël Marguet, Pierre Mérieux, Yann Mongaburu, Anne-Sophie Olmos, Bernadette Richard-Finot, Jérôme Soldeville, Guy Tucher, Sonia Yassia, Anouche Agobian, Madame Boukala-Sara donne pouvoir à Madame Sala pour la soirée. Monsieur Bron donne pouvoir à Monsieur Safar pour la soirée. Burba Georges, il n'est pas là, absent. Jeanne Jordanov donne pouvoir à Madame Agobian pour la soirée. Olivier Noblecourt, qui paraît absent. Jérôme Safar, Marie-Jo Sala. Et donc, Monsieur Vincent Barbier, Madame Béranger Nathalie, Madame Cadoux Bernadette, Monsieur Cazenave, ainsi que Monsieur Chamussy et Monsieur Philippe Lionel sont donc absents. Pardon. Alors, ils étaient présents et donc ils sont partis. Enfin, on peut retracer. Ah oui, que n'aurions-nous dû nous faire ? Eh oui. Monsieur Alain Breuil et Madame Mireille Dornano. Voilà, merci. Eh bien, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Monsieur Bouzaïen, qui ne participe pas au vote, qui s'abstient, le Front National, qui est contre, le groupe de gauche et de progrès ne prend pas part au vote, et qui est pour le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Et nous pouvons donc ouvrir nos travaux. Nous avons remis, pour simplifier les procédures administratives, le rendu acte des délégations du maire. Y a-t-il des observations ? Oui, Monsieur Safar. Monsieur le maire, elle sera extrêmement brève. Je vous ai posé une question, il y a deux conseils municipaux, vous m'aviez répondu, et au dernier conseil municipal aussi, où vous m'aviez signifié le fait que vous aviez décidé de ne pas défendre sur un dossier, celui que vous avez évoqué. Est-ce que pour notre conseil, étant donné la délibération en date du 14 avril, qui vous donne en effet
droit ou devoir, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais on va dire droit, de défendre la ville au 16e point de cette délibération. Elle ne donne pas expressément le droit de ne pas défendre, et il peut y avoir interprétation juridique sur ce point-là. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour notre Assemblée que vous puissiez informer, à l'occasion de ces délibérations de rendu acte, du fait des décisions éventuellement que vous prendriez ou que vous avez déjà prises, du fait de ne pas défendre la ville sur tel et tel dossier, et qu'en toute connaissance des causes, nous puissions le savoir par cette délibération à l'avenir? Je pense que ça simplifierait les choses et ça éviterait éventuellement des débats qui peuvent vous paraître difficiles, mais qui étaient d'autant plus nécessaires que nous n'avions pas forcément l'information concernant la réponse que vous nous avez donnée lundi dernier. Je pense effectivement que cela peut être fait, sachant que la période d'instruction, on doit attendre la fin de la période d'instruction, et que donc, à l'issue des périodes d'instruction, on peut également mentionner là où la ville n'a pas choisi de se défendre. D'autres observations ? Monsieur Breuil. Article qui est paru il y a 2-3 jours dans le journal. Vous avez, je pense, un peu raison sur certaines choses, mais enfin, monsieur Safar, pendant 18 mois, vous étiez premier adjoint de monsieur Destaux. Donc, je pense qu'en 18 mois, vous aviez le temps de faire un certain nombre d'actions juridiques contre les procédures au tribunal administratif. Vous ne l'avez pas fait et aujourd'hui, vous sortez ça du chapeau. Donc, il faudrait que vous nous expliquiez un petit peu la logique qu'il y a derrière tout ça. C'est pour ça que dans le journal, je vous ai appelé Tartuffe numéro 2, mais je crois que je n'aurai pas à retirer ma délibération. Vous êtes bien, vous aussi, un Tartuffe. Alors, je crois que nous n'allons pas forcément faire le débat autour de cette situation. Il y a une mise en cause personnelle. Je vais vous donner la parole 2 secondes. Mais je vous invite tous à continuer ces débats dans le respect, à éviter les mises en cause personnelles et à nous centrer sur les débats de la soirée, puisque nous aurons moult occasions de revenir sur le fond du dossier qui nous a occupé lundi dernier et pas mal dans la presse cette semaine. Monsieur Safar. Puisque Molière vient au secours de Monsieur Breuil, je vais lui répondre sans faire appel à Molière, mais en faisant appel tout simplement à ce qui est du travail normal de défense d'une collectivité quand elle est l'objet d'un recours en tribunal administratif. Monsieur Breuil, il est classique qu'avec les conseils de la ville, on attende en effet les derniers moments pour déposer le mémoire en défense de la ville quand elle est attaquée, tout simplement parce qu'il faut savoir ce que l'attaquant, le plaignant, dépose et ce qu'il dit. Si vous dévoilez immédiatement votre ligne de défense, vous êtes quand même dans un jeu de cache-cache pendant un moment. Vous dévoilez au plaignant l'ensemble de votre ligne de défense et vous mettez de ce fait la ville en potentielle difficulté. Oui. On attend en général d'avoir tous les éléments du dossier pour que les conseils de la ville puissent déposer ses mémoires, ce qui s'est fait pendant 19 ans sans aucune difficulté. Parfois, la ville gagne, parfois elle ne gagne pas. C'est la vie de la justice dans notre pays. Donc il n'y a aucune espèce de tartufferie ou que sais-je encore. Il y a tout simplement une façon de travailler qui était celle de la ville jusqu'à maintenant. Elle peut changer, j'en sais rien, peut-être qu'il y aura maintenant la décision de déposer des mémoires en défense immédiatement, mais je ne crois pas qu'un conseil avisé le recommanderait à la ville ou à toute autre institution. Ces temps d'instruction sont longs, on ne dépose jamais les mémoires en défense immédiatement, on attend en effet jusqu'au bout de savoir exactement sur quoi va poser le recours, quelle est la ligne du plaignant pour pouvoir répondre, et c'est tout à fait normal. Allez, je vous invite maintenant à passer au cœur de nos délibérations et nous commençons par la délibération numéro 2 sur l'espace public. Il faut appuyer sur le bouton. Madame Lheureux. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, à l'heure où notre ville entame sa transition écologique, elle est parmi les grandes villes de France qui offre le moins de surface d'espace vert à ses habitants. Grenoble est aujourd'hui devenue une ville bien trop minérale. Une ville dans laquelle naissent pourtant nombre d'initiatives pour faire vivre, pour embellir, jardiner, végétaliser, fleurir notre cité. Les services de la ville entretiennent depuis plusieurs années non seulement les parcs et jardins, mais aussi l'ensemble de nos rues, sans produits chimiques, services et agents qui se mobilisent
pour l'expérimentation de l'éco-pâturage, pour procéder à des comptages, faire évoluer leur métier, leurs pratiques, pour favoriser la biodiversité en ville et respecter le vivant. Différentes associations animent les jardins collectifs, jardins partagés, propositions de culture hors sol et autres démarches collectives. Les habitants jardinent partout dans la ville, dans leurs jardins, mais aussi dans ces parcelles collectives, sur leurs terrasses, leurs balcons. Notre ville fourmille d'envie de nature et de réalisation pour s'adapter aux contraintes du milieu urbain. Par cette délibération, nous souhaitons accompagner et encourager cette aspiration à retrouver de la nature en ville, à laisser entrer la flore dans nos rues, la faune dans nos jardins, à renouer avec le vivant en ville. Cette démarche ne se limite pas à Grenoble. Elle est en phase avec les aspirations de notre société et on peut retrouver des initiatives similaires dans d'autres villes, à Marseille, à Paris, dans d'autres villes d'Europe. Notre politique s'inscrit dans un mouvement historique plus vaste. Dans les années 60 et 70, la ville a été pensée et organisée autour de la voiture, autour du béton et des grandes infrastructures. Hier, avec le retour du tramway, avec le développement des quartiers piétons, avec les pistes cyclables, la ville s'est ouverte à ses habitants. Aujourd'hui, nous vous proposons de franchir une nouvelle étape dans cette histoire de la ville pour tous, en offrant une nouvelle liberté aux habitants, celle de pouvoir investir et partager l'espace public. Longtemps pensé comme un simple lieu de transit où l'on circule d'un point à un autre, l'espace public doit aussi être un lieu de vie. Et la nature en ville est un précieux outil pour atteindre cet objectif. Les végétaux ont toute leur place dans nos villes du XXIe siècle. Ils réduisent l'effet de serre, participent à l'amélioration de la qualité de l'air en fixant certains polluants et libérant de l'oxygène. Les espaces de pleine terre, de plus en plus rares, que nous souhaitons retrouver, permettent un meilleur écoulement des eaux de pluie. Question souvent épineuse aujourd'hui, tant les sols de nos villes ont été imperméabilisés. Réduction de la chaleur en été, isolation de certaines façades, mais aussi bien sûr qualité des aménagements, embellissement de la ville. La flore est indubitablement un élément indispensable à prendre en compte dès la conception des aménagements des espaces urbains. Les initiatives déjà en place à Grenoble le montrent bien. Le retour de la nature en ville est aussi un élément fort de création et de renforcement de liens sociaux. Embellir notre ville est une urgence. Retrouver une vie de quartier, créer des lieux de rencontre, de partage dans l'espace public, entre voisins, entre amis, entre petits et grands, une attente forte des Grenoblois. C'est aussi une belle façon de faire bouger les étiquettes sociales et de rencontrer des gens qu'on croise tous les jours. C'est renforcer la convivialité partout dans la ville. C'est donner à tous les moyens concrets de vivre au quotidien ce qu'on appelle parfois de façon un peu abstraite la société du temps libéré. Cette société où la journée continue quand la journée de travail est terminée, où il reste du temps pour construire des solidarités, pour se rencontrer, pour faire la ville, petite touche par petite touche. Cette délibération s'inspire de projets portés par des habitants. Dans le quartier de Trécloître, des habitants amoureux de leur quartier ont proposé à la ville d'aménager des espaces de jardin dans l'espace public, entretenus collectivement et à disposition de tous. Cette initiative, soutenue par la précédente majorité, est après une saison un premier succès. Les réunions de co-construction avec les habitants de la place Marval, puis celles du quartier Vallier-Ampère, attestent de l'attente des habitants de trouver dans l'espace public des lieux de rencontre, de construction de projets collectifs autour du jardin. La démarche que nous proposons est simple. Les habitants, commerçants, groupes ou collectifs identifient les espaces dans lesquels ils souhaitent jardiner près de chez eux. Cela peut être des espaces existants, par exemple des pieds d'arbres, des jardinières, ou bien des espaces à créer. Fosses de pleine terre en priorité, mais si les contraintes techniques ne le permettent pas, ce sera des jardinières surélevées. Le service des espaces verts accompagne les habitants dans le choix des végétaux, adaptés aux contraintes d'entretien des habitants. Les jardiniers s'engagent par la signature d'une charte à s'occuper de ces espaces et un arrêté d'occupation temporaire du domaine public est signé, autorisant les volontaires à jardiner dans ces espaces. Dans le cas d'une création de fosses en pied d'immeuble, le long des façades, pour végétaliser les bâtiments, nous proposons de prendre en charge, par une subvention, les frais d'installation de treilles ou de supports pour conduire les plantes grimpantes le long des façades. Pour accompagner cette délibération,
Nous avons réalisé un guide pratique à l'usage des grenoblois qui vous avait été distribué la semaine dernière, disponible du coup dès ce soir à l'hôtel de ville et dès demain dans les antennes mairies. Il présente les démarches à effectuer pour participer, livre des conseils pour jardiner, propose une sélection de plantes grimpantes adaptées à notre ville. Le formulaire ainsi que la charte d'entretien des jardins de rue seront disponibles sous format papier dans les antennes en accompagnement du guide, mais aussi téléchargeables sur Internet. Par cette délibération, il est donc proposé au Conseil municipal à la fois d'adopter le guide de végétalisation des rues de Grenoble et sa charte d'engagement des riverains, mais également d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions de subventionnement avec les copropriétés qui solliciteront une subvention pour les plantes grimpantes. Je vous propose ce soir, par cette délibération, de porter un nouveau regard sur notre ville, sur les espaces publics où nous nous croisons tous, et de permettre aux Grenoblois d'y construire collectivement des projets autour de la flore, de la biodiversité, de la nature, pour créer des lieux de rencontre dans leurs rues, pour embellir Grenoble, en faire une ville vivante où il fait bon vivre dans chaque quartier. Merci. Y a-t-il des prises de parole ? Madame Agoubian. Madame l'adjointe au maire, nous allons bien entendu voter pour, parce que ce projet est la continuité d'une autre. Ce n'est qu'un point sur celui porté par l'ancienne municipalité dès 2006. Je suis désolée, Madame Lheureux, mais vous n'avez rien inventé sur ce dossier. Vous n'avez pas le monopole de croire que végétaliser la ville est un bienfait. Durant ces trois derniers mandats, les élus n'ont eu de cesse d'améliorer la qualité de vie des Grenoblois. Ayez au moins l'honnêteté de dire que vous êtes dans une continuité de ce qui a été engagé précédemment, simplement parce que c'est bien. Cela devient vraiment gênant de vous voir reprendre à votre compte nos projets et la liste commence vraiment à être longue. Vous qui êtes devenue en quelques mois la grande prêtresse de la nature en ville, vous devez sans nul doute... Si, écoutez la fin. Vous devez sans nul doute connaître le dossier cœur de ville, cœur d'agglo. Laissez-moi vous en redire les grandes lignes. Comment le centre-ville, secteur par définition le plus dense de Grenoble, peut-il s'embellir de nouveaux espaces verts et davantage de végétation? L'idée partait de ce constat. Dans la continuité de l'esprit des aménagements du parc Paul Mistral, trois périmètres du centre-ville ont été retenus pour une expérimentation de végétalisation. Le secteur rue de Strasbourg, le secteur des rues Lafayette République, le secteur championnet Condorcet. Cœur de ville, cœur d'agglo, a mené une expérimentation sur la place de la végétation en ville. L'esprit du projet consistait à accueillir la nature sous des nouvelles formes. Cette expérimentation inédite a été pensée pour inciter les Grenoblois à modifier leur regard et leur habitude de citadins. Quatre grands objectifs définissaient cœur de ville, cœur d'agglo. Premièrement, accueillir la nature en ville pour le confort et l'agrément de tous. Deuxièmement, redéfinir le partage des espaces publics entre tous les usagers. Troisièmement, conforter l'attraction du centre-ville élargi et enfin, créer les conditions d'une appropriation des espaces publics par les habitants. Il a fallu beaucoup de temps, de persévérance et de discussion pour aboutir à l'embellissement de tous ces parcs, de ces places, de ces rues et des quais. Grenoble est la ville en France où il fait bon vivre. Alors, vous comprendrez que lorsqu'on lit dans le nouveau Gremag, sur deux pages pleines, ou dans les presses écrites locales, comme si le projet était déjà entériné par le conseil municipal, vos grandes tirades et citations sur la végétalisation du centre-ville sans un seul mot sur cœur de ville, cœur d'agglo, et surtout sur ce qui a été fait par la précédente municipalité, c'est quand même rageant, et vous me l'accorderez, injuste. Mais pour en revenir à votre délibération, elle pose quand même quelques problèmes, notamment sur son budget. Encore une fois, aucune trace du coût de cette expérimentation. Aucune trace du coût du guide. À combien d'exemplaires est-il tiré? J'ai vraiment l'impression que passer cette délibération ce soir n'a aucun sens pour vous. Tout est déjà organisé, diffusé, mandaté, bouclé. Vous en êtes déjà à manger vos propres récoltes de groseilles, non? Vous sollicitez les Grenoblois pour fleurir leur pas de porte. C'est bien. Aujourd'hui, ils fleurissent. Demain, ils devront peut-être ramasser les feuilles. Je m'éloigne du sujet qui nous préoccupe. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur les problèmes de propreté urbaine. Ne craignez-vous pas qu'il ressorte de ces démarches personnelles un méli-mélo sans cohérence? Et si chacun ne s'occupe que de son pré-carré, ne craignez-vous pas une démarche d'individualisation de l'espace public?
C'est pour cela que l'ancienne majorité avait mis en avant les jardins partagés, comme cela a été expérimenté avec succès au jardin Coléoptère, quartier Beria. C'est un vrai projet d'habitants avec de grandes parcelles de plus de 600 m² et un engagement de cultiver la terre ensemble. Le service des espaces verts ainsi que les maisons des habitants avaient un rôle d'accompagnement tant technique que social, et c'était là la clé de la réussite du projet. Il aurait pu être aussi très intéressant d'ouvrir cette expérimentation au temps périscolaire et ainsi offrir aux petits grenoblois des activités ludiques et sûrement, pour bon nombre d'entre eux, une occasion unique de jardiner. Il y a encore tellement de questions, mais je terminerai en vous demandant comment allez-vous gérer tous ces espaces si votre projet n'aboutit pas d'ici 2 ans. À qui sera donnée la propriété de tous ces massifs ? À la ville, aux citoyens ? Qui sera légalement responsable lors d'un éventuel problème ou un conflit ? Encore beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. Et puis pour finir, pouvez-vous nous donner des nouvelles du nouveau parc de 6 hectares prévu à l'Esplanade ? Travailler en lien avec les associations de protection de l'environnement. Il devait nous permettre d'avoir un parc dans la partie nord de la ville qui en manque. Mais continuer à vous inspirer largement des concepts et des idées de l'ancienne municipalité, c'est bien, c'est qu'ils sont bons. Mais soyez honnêtes et dites-le aux Grenoblois. Merci. Merci, Monsieur Breuil. Non, Madame Dornano, excusez-moi. Eh oui, je suis là ce soir, vous voyez. Pas de chance, hein. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette note de synthèse anodine en apparence est révélatrice de l'état d'esprit régnant dans votre équipe municipale. Tout d'abord, vous vous arrogez le droit de décider comment les habitants doivent se faire des amis. Mademoiselle Lheureux nous en informant dans le DL du 5 octobre que l'aspect convivial de la récolte sera bien là. Car l'idée première est de créer du lien social. Il nous semble que ce dernier est du ressort des services sociaux s'occupant des personnes seules, mais ce n'est pas dans le rôle du service des espaces publics et de la nature en ville. Ensuite, vous prenez les habitants pour des enfants de maternelle avec un guide tellement détaillé sur la façon de s'occuper d'une jardinière qu'il en est presque une insulte à l'intelligence des volontaires. Finalement, ces derniers doivent signer une charte ridicule écrite comme une prière à la première personne. Je partage. Je respecte le sol, je préserve la biodiversité. L'écologie, selon vous, est devenue une religion avec ses rites et ses prêtres, mais une religion sans Dieu, bien évidemment. Franchement, c'est grave d'en arriver là. On est en pleine éducation des masses. Rien que le titre de la note en dit long. Vous parlez d'expérimentation. Est-ce vraiment à la ville, pour les temps qui courent, de se livrer à des expériences sur la population ? La seule chose qui différencie votre équipe des éducateurs communistes de sinistre mémoire est un tout petit mot, volontaire. Ceux qui serviront de cobayes devront être volontaires. Combien de temps ce mot tiendra-t-il face à la frénésie collectiviste des mélanchonistes qui vous entourent ? Voilà, tout est dit. Déjà, pour mettre en place vos expériences, vous avez supprimé des places de stationnement et réduit le transit de la place Jacqueline Merval sans demander aux gens qui ne peuvent plus y stationner s'ils étaient volontaires, eux. Pour eux, le petit mot de sauvegarde a été emporté par le vent de votre idéologie comme les feuilles mortes en cette saison. La véritable écologie consiste, selon nous, à préserver des espaces verts. Il faut arrêter de bétonner à tout va, comme par exemple à l'Esplanade, 600 logements prévus, et de faire de la zone NERPIC un jardin public en remplacement du parc Mistral mis à mal par l'équipe précédente. Ces expériences qui ont germé en vase clos et mobilisent plus de personnes à la mairie que d'habitants, 12 dans l'expérience de Jacqueline Marval, n'ont aucun intérêt pour les Grenoblois en général. Elles ne tiennent même pas compte des expériences passées, les jardinières étant transformées en poubelles par les passants. Elles supposent une harmonie idyllique entre les habitants. À votre avis, qui va récolter les groseilles ? Je reviens en premier. Les Grenoblois attendent toujours des réponses à la violence qui se généralise dans les rues, aux invasions qui dénaturent leur quartier et au chômage. Votre problème est que vous avez été surpris par votre élection. En ce qui concerne la résolution soumise au vote du Conseil,
on peut s'interroger sur la nécessité de passer par un conseil municipal pour approuver la charte d'engagement des riverains. Je terminerai par l'aspect financier, peut-être le plus important encore. 30 mètres de façade à équiper sur 3 étages implique environ 20 000 euros de dépenses pour la ville, sans compter le reste. Les sommes à investir en cas de généralisation n'ont rien d'anodine. Ce budget n'apparaît nulle part dans la note de synthèse, mais on se demande au Conseil de vous donner un chèque en blanc pour signer les conventions de subventionnement. Dans sa forme et dans son fond, cette proposition est inacceptable, raison pour laquelle nous voterons contre. Je vous remercie. Madame Lheureux. C'est bon ? Oui. Madame Agobian, effectivement, comme je l'avais dit dans ma présentation, certaines des démarches que nous reprenons font suite à des projets qui avaient été soutenus par la précédente majorité. Et je l'ai bien dit. Néanmoins, si vous aviez eu l'intention, aujourd'hui, nous occupons de la réalisation. Et avec une dimension que vous n'aviez pas dans votre proposition, qui est que, certes, vous aviez proposé, et vous l'avez fait, de végétaliser une partie du centre-ville, une partie seulement, et dans le même temps, les rues piétonnes ont été bitumisées, rendues noires et rendues comme si on allait les rendre à la circulation automobile, ce qui est quand même une proposition contradictoire dans l'idée de se réapproprier ces espaces et de pouvoir les donner aux piétons. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui avec cette proposition, c'est bien de se tourner vers les habitants et de répondre à leurs demandes et à leurs attentes. Or, comme ça l'avait été souligné en commission, en 2012, une délibération avait déjà eu pour ambition, effectivement, dans ce périmètre cœur de ville, en accompagnement du dispositif cœur de ville, cœur d'agglo, d'inciter les riverains à végétaliser leur façade avec cette convention. Expérience qui s'est soldée par un cruel échec, puisque en 2 ans, seules 2 demandes et seules 2 réalisations ont eu lieu, ce qui montre bien que l'accompagnement et le portage par la précédente équipe étaient à peu près inexistants, et que la proposition bien trop lourde par le système de convention ne permettait pas aux gens de s'approprier ces espaces et de faire de ces espaces publics des lieux de projets collectifs. Donc si certaines démarches étaient un peu présentes, parfois dans la parole, aujourd'hui, nous irons beaucoup plus loin. C'est bon ? Monsieur Breuil. Maire, je vais être très très rapide. Je me rappelle avoir demandé à Mademoiselle Lheureux en commission ce qu'elle comptait faire pour la propreté de ses jardinières, car malheureusement c'est très grave. Alors moi, j'ai fait une expérience moi-même. Je suis allé au 3 bis rue Lafayette. Vous connaissez, c'était là où était votre permanence de campagne. Et j'ai nettoyé 4 jardinières en sol. Alors je me permets de vous apporter ce que j'ai trouvé dans ces 4 jardinières. Rassurez-vous, il y a même des pièces de monnaie. Allez, je vous invite à vous rasseoir, Monsieur Breuil, pour reprendre nos débats, parce que là, c'est... si on commence à s'amener chacun nos sacs de détritus... Non, ça vient, de 4 jardinières au 3 bis rue Lafayette. Un peu de sérieux. S'il n'y a pas d'autres prises de parole... Eh oui, moi, je suis un homme concret. Monsieur Bach. Je suis allé nettoyer moi-même. Merci, Monsieur le maire. Oui, Monsieur Breuil, nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez notre démarche de toute façon. Oui. Vivement, vous ne comprenez pas la différence entre un espace qui est géré par les habitants et un espace simplement des espaces verts qui sont nettoyés par les agents. Vous n'avez pas tout très bien compris, mais bon, c'est pas grave, passons là-dessus. Je voulais revenir sur la différence qu'il pouvait y avoir entre les jardins partagés et les jardins de rue. Un jardin partagé, c'est un espace clos qui est géographiquement séparé de l'habitation. Il est orienté vers la production. Un jardin de rue, c'est un espace ouvert, en bas de chez soi, et dont l'orientation est la convivialité, l'échange des savoirs, le vivre ensemble. Alors, ce sont peut-être des notions qui échappent à M. Breuil et Mme Dornano, mais qui sont pour nous très importants et qui sont effectivement structurants. C'est une activité, le jardin de rue, qui est gratuite et non marchande. C'est une activité qui est accessible à toutes et tous, quels que soient les âges, quelle que soit la condition physique. C'est une activité qui bénéficie d'aménagement de la ville et qui bénéficie aussi de l'expertise directe des agents de la ville. Enfin, en cas d'échec,
la municipalité se réserve le droit de supprimer les espaces créés au bout d'une période qui a été mentionnée par de 2 ans, qui a été mentionnée par Mme Lheureux. Nous avons des comment qualifier cet échec? Nous avons des critères d'évaluation. C'est des critères de réussite plutôt que d'échec. Merci, Madame Lheureux. Tout à fait. Nous visons la réussite et non pas l'échec, mais nous envisageons l'échec. Les critères sont le nombre d'espaces créés par secteur et par an. Le type d'espace qui a été modifié, est-ce que c'était un espace préexistant? Est-ce que c'est un espace qui a été créé après des travaux? Et surtout, peut-être le plus important, c'est l'organisation du jardinage. Est-ce que c'est un acte individuel ou est-ce que c'est une démarche collective? Quel lien social a été créé? Car il ne vous échappera pas qu'effectivement, nous, ce que nous recherchons, c'est cette dimension sociale. Sociale, pas dans le sens de l'aide sociale, mais du lien social. Peut-être que vous ne faites pas la différence, vous ne comprenez pas cette notion, tant pis pour vous. Enfin, pour conclure, je terminerai en matière de jardinage urbain, pour nous, je citerai cette petite phrase, « Que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent ». Merci. Merci. Je pense que nous pouvons passer au vote. À propos de cette délibération, qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Le Front National. Qui vote pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès. Le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 4. Délibération numéro 3. Moi, j'ai le numéro 4. Sur Madame, présentée par Madame Compara. Merci, Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, je crois qu'il me manque un petit accessoire qui va me permettre de faire défiler le diaporama. Donc, le temps que mon assistant, comme on dit à la télé, m'amène ceci. Donc, je vais effectivement vous présenter une délibération cadre, merci beaucoup, sur la libération des données publiques, donc le lancement de ce projet d'ouverture des données. Donc, le projet d'ouverture des données publiques a des racines extrêmement fortes historiquement, puisqu'il se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et en particulier son article 15, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. Elle se base donc sur une logique de transparence, et elle a d'ailleurs été traduite dans la loi, aussi bien le droit français, avec la loi dite CADA de 1978, d'accès aux documents administratifs, et une directive européenne du 17 novembre 2013. L'ouverture des données, qu'on appelle également par un anglicisme répandu « open data », c'est donc à la fois un mouvement, une philosophie d'accès à l'information, une pratique de publication de données librement accessibles et exploitables. C'est une tendance qui considère l'information comme un bien commun, comme le partage des connaissances, compris comme d'intérêt public et général. Il y a donc un fondement politique extrêmement fort à une démarche de libération des données publiques. Alors concrètement, il y a un certain nombre de critères qui vont permettre de déterminer le fait qu'une donnée publique est librement accessible. Elle est d'origine publique ou privée, donc bien évidemment, dans le cas qui nous occupe, il s'agit des données publiques produites par la ville de Grenoble. Et elle est diffusée de manière structurée, selon une méthodologie et une licence, et j'y reviendrai, qui vont permettre la réutilisation de ces données. Alors ça peut avoir l'air technique comme ça, mais fondamentalement, c'est ce qui va permettre l'alimentation par la société en s'appuyant sur les données publiques de services, d'analyse, d'activités artistiques. Enfin, on peut imaginer énormément de choses. Je vous propose, pour illustrer un petit peu ces enjeux, de visualiser un très court film d'une minute et demie qui a été réalisé par l'association nantaise Libertique et qui est naturellement diffusé sous une licence libre. L'open data est une démarche qui vise à rendre des données numériques accessibles et utilisables par tous.
Pour les collectivités et les organismes publics, l'open data consiste à publier sur une plateforme ouverte des informations statistiques, cartographiques, des horaires, des données économiques et financières sur les territoires. La mise à disposition des données publiques est une obligation légale. Un cadre juridique strict définit les informations qui peuvent être rendues publiques et celles qui ne le peuvent pas. Les données sensibles et à caractère personnel sont exclues de fait de la démarche Open Data. L'Open Data permet de constituer et d'entretenir une source d'informations fiable pour les chercheurs, les journalistes, les citoyens. L'Open Data ouvre la voie à la création d'applications pratiques. Par exemple, la mairie publie des données sur Internet, horaires de bus, géolocalisation des arrêts, hauteur des trottoirs. Les développeurs peuvent réutiliser librement ces données pour créer des applications accessibles depuis un téléphone mobile pour faciliter l'accès au transport aux personnes à mobilité réduite. L'Open Data donne la possibilité de créer de nouvelles opportunités économiques par le développement de services innovants. L'Open Data rend accessible et compréhensible l'action publique. Projets, décisions, comptes publics, encourageant ainsi l'engagement citoyen. L'Open Data offre enfin une perspective réelle de modernisation des services publics en les rendant lisibles, accessibles et réactifs, en phase avec les enjeux du 21e siècle. L'ouverture des données, on va tous y gagner! Parce qu'on aime beaucoup. Donc je crois qu'effectivement cette petite vidéo très didactique, très pédagogique pose bien les enjeux. Et donc nous avons à nouveau un petit problème technique, mais que la régie ne va pas tarder à me résoudre. Je suis censée avoir la suite de mon diaporama. Donc effectivement on voit bien les enjeux qui se posent. Et donc ce que nous proposons ce soir, c'est de lancer cette démarche à l'échelle de la ville de Grenoble. Il existe une échelle de l'open data qui a été mise en place par Tim Berners-Lee, qui est un nom que vous avez peut-être entendu, hein, c'est un des pères du web, comme on dit, et donc c'est un des grands militants à l'échelle internationale de la neutralité du net et de tout ce qui concerne le libre accès à la libre diffusion des connaissances. Et donc il a inventé cette échelle qui correspond un petit peu à l'esprit des étoiles pour les hôtels. Plus vous avez d'étoiles, mieux c'est. Et on voit que dès la première étoile, qui consiste à mettre des documents en format PDF en ligne, ce que déjà la ville fait très régulièrement, on est déjà dans une démarche de libération des données. Donc c'est quelque chose qui peut démarrer assez simplement. Et puis petit à petit, on peut progresser techniquement dans la mise en place de ces données, notamment avec une dimension technique qui fera qu'elles seront librement réexploitables et facilement réutilisables, mais également un cadre juridique qui permettra là aussi, librement, la réutilisation de ces données. On a vu dans la vidéo de Libertique le triangle de l'ouverture des données. On a différents acteurs qui vont interagir à cette occasion. On a les organismes publics, les collectivités territoriales, donc la ville de Grenoble dans le cas qui nous occupe ce soir, le monde socio-économique, la recherche, alors bien évidemment les entreprises, que ça aille de la start-up au grand groupe, mais aussi le monde associatif, les journalistes et bien évidemment les laboratoires de recherche. Et puis les citoyens, les habitants. En termes d'enjeux, on les a déjà un petit peu abordés, mais je tenais à insister sur ces dimensions. Il y a effectivement la transparence de l'action publique, mais aussi une efficacité administrative. L'open data peut être un outil qui permette de faciliter les relations entre l'administration et les citoyens. Surtout, un des enjeux extrêmement forts, c'est la création d'un écosystème autour des données ouvertes qui va associer les quatre pointes du triangle autour de l'animation. Les quatre pointes du triangle. J'ai une maman prof de maths dont je faisais le désespoir, je suis absolument désolée pour elle. Elle ne me regarde pas ce soir, heureusement. Donc, les trois points du triangle. Voilà, l'idée, c'est effectivement que l'ensemble de ces acteurs s'emparent de ces données, interagissent et créent de la synergie, de la richesse, et de la richesse pas comprise uniquement au sens économique du terme, bien évidemment, autour de l'émergence de nouveaux usages, l'amélioration de services existants et au final, le développement du territoire. Il y a malgré tout des points de vigilance à avoir sur un dossier comme celui-ci. On parle donc ici de services numériques. Il faut donc faire attention à ne pas exclure certains publics sous prétexte que tout serait disponible en ligne, ne pas fermer les guichets d'accueil, par exemple.
Bien entendu, les données que la collectivité va libérer doivent être fiables, doivent être régulièrement mises à jour si elle le demande. Donc ça a un impact aussi potentiellement sur la façon dont ces données sont produites. Et puis, un enjeu effectivement juridique. Il s'agit donc d'un patrimoine public qui appartient à la collectivité et qu'elle rend librement accessible à l'ensemble de la société. Ce patrimoine public ne doit pas pouvoir être privatisé. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, d'interdire une potentielle activité économique autour de la libération des données publiques, mais la donnée patrimoine public doit rester dans le domaine public. Et bien entendu, protéger les données personnelles est absolument indispensable. Il va de soi que les données qui sont mises à disposition sont intégralement anonymisées, mais on sait qu'avec les possibilités de croisement des données, certains acteurs, géants de l'Internet notamment, ont des capacités de rapprochement et d'identification des personnes qui fait qu'il faut être particulièrement vigilant sur ces questions. La démarche qui vous est proposée ce soir dans notre délibération, c'est donc une démarche que nous souhaitons commune entre la ville de Grenoble, la métro et le SMTC. Il nous paraîtrait en effet tout à fait réducteur que la ville de Grenoble seule se lance dans une démarche de ce type, mais il s'agit bien ici pour nous d'avoir une animation à l'échelle de l'agglomération, comprise au sens du territoire et de ses différents acteurs. Il y a un principe d'expérimentation. L'idée est déjà de fiabiliser, de tester techniquement une solution, de commencer à travailler avec certains services pour repérer des données qui sont immédiatement libérables, donc une phase de test sur la fin de l'année 2014, et de travailler dans une stratégie d'opportunité avec les différents services des partenaires. Cette opportunité peut être soit une donnée dont on sait aujourd'hui qu'elle est immédiatement disponible, fiable et facile à rendre accessible, soit une demande qui viendrait de la société et qui servirait de levier pour décider de libérer certaines données. L'idée étant d'arriver à un portail des données publiques animé, évolutif, et surtout de créer un lien fort avec l'écosystème que j'évoquais précédemment, dans toutes ces dimensions, les associatifs, les citoyens, les artistes, les chercheurs, pour que ces données ne soient pas simplement déposées quelque part, mais qu'elles servent effectivement et qu'elles diffusent dans l'ensemble de la société. Donc le calendrier prévisionnel qui vous est présenté dans la délibération se déroule en trois phases. La phase de test que j'évoquais précédemment, donc d'ici la fin de l'année. Sur le premier semestre de l'année 2015, tirer le bilan de cette phase de test, à la fois dans ses dimensions techniques, dans ses dimensions institutionnelles, dans les relations avec des partenaires potentiels, et bien entendu, finaliser un cadre réglementaire. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'avoir une licence qui garantisse le fait que les données publiques qui seront mises à disposition resteront bien dans le domaine public. L'objectif étant d'avoir, à la rentrée 2015, un portail officiel d'agglomération sur lequel les données publiques des différents acteurs seront disponibles. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Safar. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, cette prise de parole devait être faite par Sarah Boukala, mais les changements de calendrier qui nous ont été imposés, et c'est bien normal, l'empêcher ce soir d'être présente. Donc je vais lire l'intervention de Sarah. Je suis désolé, je n'aurai sûrement pas son talent et je vais le faire avec beaucoup de précision pour que, éventuellement, madame la rapporteure, vous puissiez répondre, si vous l'estimez nécessaire, à certaines questions. Les données publiques aujourd'hui, on le sait, ne sont plus considérées comme un pouvoir à conserver jalousement, mais bien comme une ressource que nous devons partager, vous l'avez dit, un bien commun. Un vecteur aussi de création, de richesse sociale, économique, citoyenne. Là encore, vous y avez fait allusion. Au moment où la puissance publique, et nous le voyons tous les jours, ne peut plus et ne souhaite plus forcément agir seule et de façon descendante. À un moment aussi où les citoyens, et c'est normal, revendiquent plus de pouvoir, donc plus d'ouverture de données publiques, afin de pouvoir participer à un échange, à des co-constructions, sur la base, j'allais dire, d'informations les plus partagées possibles, leur permettant de travailler d'égal à égal avec ces institutions. Il ne s'agit donc plus uniquement de rendre des comptes, mais également de renouveler notre manière de concevoir, de produire et d'évaluer l'action publique.
À partir des données publiques ouvertes, des innovateurs, des chercheurs, des entreprises, des étudiants, des associations, des designers, des artistes, des citoyens créent régulièrement aujourd'hui et partout dans le monde un gisement de valeur et d'innovation sur leur territoire. Valeur sociale, avec souvent de nouveaux services pour la population, valeur économique avec, et vous l'avez évoqué, la naissance de véritables écosystèmes d'activités, d'emplois et de services innovants autour de ces données. Aussi, vous l'aurez compris, notre groupe votera cette délibération parce qu'il est convaincu que c'est non pas l'air du temps, mais quelque chose qui, au contraire, s'impose à tous comme levier de modernisation et de transparence de l'action publique et qui permet de répondre justement à cette exigence de transparence démocratique. Cela fait partie de ce que beaucoup appellent aujourd'hui la gouvernance ouverte, mais je crois que vous en êtes plus que convaincus. Cependant, adopter l'open data sur le long terme n'est pas une mince affaire. Et c'est sûrement pas vous qui allez me dire le contraire. D'abord pour une collectivité, et votre délibération le laisse entendre. Au-delà de ce qui peut paraître parfois encore un peu incantatoire, et ça n'est pas un jugement de valeur, la délibération se frotte à de multiples interrogations. D'abord, quels seront les modes opératoires à l'œuvre ? Vous n'aurez sans doute pas ce soir l'ensemble des réponses à ce type de questions, de même que le type de licence qui sera adoptée. Vous nous avez présenté un calendrier, mais évidemment, il faudra que nous puissions en parler au fur et à mesure avec vous. Enfin, comment, à la suite de l'expérimentation dont vous avez parlé, la dynamique pourra être conservée ? C'est aussi un des enjeux et il n'est pas mince. Quel portail précisément allez-vous créer ? Vous ne le savez sans doute pas ce soir, mais là aussi, ce sont des questions qu'il va nous falloir travailler ensemble. Avec quel type de partenaires et quelles données exactement seront mises à disposition ? Et surtout, au-delà du technicien, et il est normal qu'on s'appuie sur celui-ci, quelle place sera laissée ou donnée au citoyen qui veut bénéficier de cet avantage qu'est l'open data ? Bref, on le voit, la faisabilité de la délibération est sans doute réelle, surtout à Grenoble, mais elle demande encore un travail assez long. Elle est aussi source, sans aucun doute, de questions pour l'administration municipale en termes d'organisation. Pour les grenobloises et les grenoblois, il faut dire les choses très clairement, l'open data va impliquer de mettre en œuvre un chantier interne, transversal, que je vais qualifier de colossal, car il risque de l'être. Chaque direction s'appuyant sur de nombreuses informations, le champ des données produites et utilisées par notre collectivité est quotidiennement particulièrement vaste. La démarche nécessite donc une transformation ambitieuse du fonctionnement de l'administration qui doit être accompagnée et portée sur le long terme. Il ne suffit donc pas, nous semble-t-il, de désigner un référent par service, mais bien d'envisager un véritable plan de formation de tous les agents à une culture de la donnée ouverte. Simple question ce soir, est-ce déjà prévu ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient, si vous me permettez la formule, en deuxième étage de la fusée, au moment où justement vous avancerez dans le calendrier ? Il serait bon que vous puissiez nous répondre sur ces points. Par ailleurs, Madame l'adjointe au vert, vous ne pouvez pas nier l'importance du travail que devront fournir les agents pour améliorer la qualité des données qui seront libérées, pour qu'elles puissent être justement exploitables, compréhensibles par le plus grand nombre. Là encore, il faut savoir ce que cela veut dire en nouvelle organisation et en charge de travail, sans aucun doute supplémentaire, pour bon nombre de fonctionnaires de la ville. Enfin, la valeur des données réside bien dans le traitement de celles-ci et moins dans une détention brute. Vous l'avez dit d'ailleurs, l'enjeu de l'ouverture des données publiques, ce n'est pas simplement de tout mettre, j'allais dire brutalement, sur la place publique sans trop se préoccuper du traitement et de la lisibilité de celles-ci, mais bien justement d'assurer une plus grande implication des citoyens dans la gestion de leurs affaires publiques, des affaires publiques, et de renforcer la concertation, la prise de décision et la capacité que ceux-ci auront à en être des acteurs pour alimenter le dialogue et impliquer de façon innovante les habitants. Vous avez déjà, il y a une quinzaine de jours, engagé une formation sur un type de logiciel, les logiciels libres. Je pense que ça participe de ce que vous aurez l'intention de mettre en place autour justement de l'open data, entre autres, mais pas seulement, voir comment nous pouvons toucher le plus grand nombre de Grenoblois, et pas seulement, là encore, les geeks ou les plus aficionados des nouvelles technologies, faire en sorte que chacun puisse s'approprier ces nouveaux outils.
Actuellement, nous le savons, les données telles qu'elles existent, ne sont pas forcément utilisables directement. Les acteurs de la démocratie locale ne savent pas encore eux-mêmes quel usage ils peuvent faire de toutes les données, parce qu'ils ne savent pas encore sous quelle forme ils y auront accès. Et en cela, la délibération aujourd'hui n'avait sans doute pas l'objectif de le préciser, mais il faudra y revenir assez rapidement. La démarche Open Data doit donc sortir le plus possible de ce que l'on pourrait qualifier de microcosme, mais là encore, je ne veux pas que ce soit perçu comme un jugement de valeur, et voir comment elle peut être la plus infusante au-delà des personnes averties pour intéresser tout le monde. Je terminerai sur deux points. Les expériences des autres collectivités territoriales nous le prouvent, pour celles qui se sont déjà engagées dans ce type de démarche. Il aura fallu attendre entre 6 et 8 mois pour porter un projet de création de portail et un budget moyen de 83 000 euros pour porter là aussi ce type de dispositif. Il y aura donc là aussi un suivi budgétaire à ne pas oublier, savoir quels sont les moyens que vous consacrerez en termes d'investissement, de formation, d'information, pour que nous puissions avoir un open data le plus efficient possible en direction du plus grand nombre de Grenoblois. Je terminerai par un point. Vous l'avez évoqué, Madame Compara, en disant que nous devions être attentifs à l'utilisation potentielle des données publiques et à leur marchandisation par des tiers qui, eux, ne s'embarrasseraient pas de problèmes éthiques pour savoir s'ils peuvent utiliser ces données à des fins commerciales. Il y a une question à laquelle vous semblez, même plus que semblez, vous l'avez évoqué, vous êtes attentive, c'est la difficulté de mettre en place une licence sans restriction et la plus ouverte possible, et en même temps les garde-fous qui doivent éviter que les données publiques de la ville de Grenoble soient utilisées demain par des sociétés à but lucratif, dans un souci qui ne serait pas forcément celui d'une politique publique et du service public, pour se faire, excusez-moi, un peu leur laine sur le dos des Grenoblois. Donc là, il y a une vraie question sur laquelle nous vous interrogeons dès ce soir, non pas encore une fois pour avoir une réponse nette et définitive, mais parce que, et nous l'avons bien entendu dans votre intervention, il y a un souci commun de ne pas voir cette richesse, ce patrimoine, s'envoler ou être utilisé par des personnes qui n'auraient pas, d'éthique, de comportement, ou pas celle que nous souhaitons voir quotidiennement. Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, ce que je souhaitais évoquer et ce qu'aurait dit Sarah Boukala. Je le répète, nous voterons cette délibération qui nous semble aller dans le bon sens. Merci. Monsieur Breuil. Oui, merci monsieur le maire, je vais être assez rapide. Nous voterons nous aussi cette délibération, mais avec néanmoins quand même une ou deux réserves. Monsieur Safar venait de le dire à l'instant, effectivement certaines données peuvent être réutilisées à des fins strictement mercantiles, ça nous ne le souhaitons pas, mais j'irai un peu plus loin que lui, et certaines données peuvent être utilisées à des fins franchement frauduleuses. Dans une vie antérieure, j'ai fait un peu de renseignement dans le cadre de l'armée, et tout, et oui, c'est pas un délit, excusez-moi, et malheureusement, toutes les informations sont bonnes à prendre pour ceux qui ont des mauvais coups à préparer. Ça va de la hauteur des trottoirs au niveau d'éclairage que l'on peut trouver. Donc je voudrais quand même être sûr, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, et ce serait encore mieux en l'écrivant, Madame Compara, qu'il y ait quand même un certain nombre de données qui soient strictement exclu de ce système. Ce n'est pas écrit, c'est vrai que le petit film que vous avez montré l'a très rapidement évoqué, mais je pense qu'il faudrait mentionner certaines données comme ne pouvant pas être diffusées sur la toile. Il faut savoir que les gens qui ont l'habitude de ces choses-là sont capables de trouver beaucoup d'informations alors qu'on les croit scrupuleusement cachées. Et puis la deuxième chose, je vous avoue que ça m'a presque fait rire, dans votre délibération, vous dites que l'on peut même avoir la liste des prénoms attribués. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit un élu de notre groupe qui vous dise qu'il peut y avoir un jour un certain danger à ce que l'on sache combien il y a de Pierre, de Nathalie, combien de Mireille, combien d'Alain, combien de Fatima ou combien de Mohamed. Malheureusement, vous savez l'usage qu'on a pu faire un jour de ce genre de liste. Donc cela doit, selon nous, être une donnée plutôt confidentielle. Vous aurez toujours des gens qui seront exploités, ces informations contre vous et contre l'intérêt général de la société. Merci. Monsieur Marguet. Oui, merci monsieur le maire. Donc, au-delà des aspects techniques, les élus du Rassemblement souhaitent rappeler l'intérêt de la libération des données pour la société en général,
mais surtout pour l'animation démocratique de notre cité. Libérer les données présente des intérêts pour tous, pour les citoyens, pour les institutions, pour les associations et pour les sciences. Car libérer les données permet plusieurs choses. On soulignera, par exemple, l'augmentation de la transparence des affaires de la cité. Publier des données de tout ordre permet aux citoyens d'observer, de surveiller, de connaître de nombreux sujets traités par la ville, et donc d'apporter leur contribution par la réflexion ou l'action. Publier les données garantit aussi la diversité des analyses, puisque tous les acteurs peuvent s'en emparer, et donc garantit la diversité des manières de voir, ce qui est un aspect essentiel de la démocratie. D'ailleurs, cela permet même de corriger les erreurs qu'elles peuvent contenir et que seule l'intelligence collective connaît. Notons aussi que la libération des données ne peut que favoriser l'animation du territoire par ses différents acteurs, tels que les associations, les artistes, les chercheurs ou encore les entreprises. En leur permettant de mieux connaître ce territoire, ces acteurs pourront être encore plus efficaces, plus créatifs. Certains pourront développer des outils d'intérêt général. C'est donc un vrai atout pour le dynamisme de notre territoire. La publication des données permet donc réellement à tous les acteurs d'avoir le même niveau d'information que la municipalité, ce qui favorise une réflexion et un travail de qualité et complémentaire à celui de la ville. C'est d'ailleurs grâce à ce pied d'égalité que l'exercice de la démocratie peut pleinement avoir lieu. Les élus du Rassemblement considèrent donc bien l'open data non pas comme un gadget à prendre à la légère, mais bien un aspect fondamental pour la co-construction avec les citoyens de la politique municipale. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. Non, Madame Compara, vous voulez amener quelques compléments d'information ? Bien. En prie. Pour ce que je peux avoir, bon, déjà sur l'aspect des risques d'usage frauduleux, pour ne pas employer des termes plus forts, le législateur y a bien évidemment pensé. Hein. Il y a des catégories de données qui sont exclues de la libération des données de par le risque qu'elles pourraient faire courir effectivement aux populations. Sur les questions, notamment que Madame Boukala, malgré son absence, me pose ce soir. Donc effectivement, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première, c'est que comme vous l'avez vu dans la délibération, nous ne souhaitons pas nous engager seuls dans cette démarche. Ce qui veut dire bien évidemment que c'est avec nos partenaires de Grenoble-Alpes Métropole et du SMTC que nous aurons à inventer ensemble et à décider ensemble, notamment sur les questions de licence, par exemple. Bon, sans vouloir rentrer dans des considérations techniques, est-ce que nous décidons d'utiliser la licence d'État Lab ou d'en utiliser une autre ? Ce sont effectivement des questions à se poser et auxquelles il faudra que nous répondions ensemble. Un comité de pilotage qui réunit les différents acteurs est prévu par la délibération et devra permettre d'avoir ces discussions entre nous avec les services et là aussi effectivement avec les citoyens et les acteurs du domaine. Sur les aspects très, très précis effectivement que vous avez cités, Monsieur Safar, sur comment dépasser l'expérimentation. Donc effectivement, le principe de l'expérimentation, c'est aussi d'en tirer des enseignements. Donc forcément, nous n'avons pas toutes les réponses ce soir. Par contre, effectivement, parmi les points d'attention, et c'est ce que je mettais derrière la stratégie d'opportunité, mais sans doute n'ai-je pas suffisamment insisté sur cette dimension, le travail que cela pourrait demander aux services de fiabilisation des données. Est-ce que ce travail est un travail léger, important ? Est-ce que ça va fortement changer l'organisation des services ? Tout ça, ça fera partie effectivement des critères d'appréciation par rapport à des choix de priorité. Parce que comme vous l'avez dit, la masse des données potentiellement disponibles est assez colossale. Nous n'allons donc pas tout libérer du jour au lendemain. Ça va se phaser régulièrement dans le temps en fonction à la fois de la demande et, j'ai envie de dire, de l'état des données et de notre capacité à les faire vivre. Et donc la capacité effectivement des services, les besoins de formation qu'il pourrait y avoir, feront partie effectivement des critères qui permettront de décider à un instant T si certaines données sont immédiatement disponibles ou non. Sur le, et je terminerai là-dessus, pour rebondir notamment sur l'intervention de M. Marguet, dans la phase d'expérimentation, nous souhaitons le plus tôt possible associer les acteurs du territoire pour que, dès la mise en place officielle du portail,
tout ce travail d'animation, de co-construction, de capacité des acteurs à s'emparer des données, voire pourquoi pas à en fournir eux-mêmes, puissent être inclus dans la démarche le plus en amont possible et ne pas attendre d'avoir, entre guillemets, tout ficelé à notre niveau, mais bien de travailler ensemble à avoir un outil qui soit immédiatement opérationnel, non seulement pour la ville et nos partenaires de la métro et du SMTC, mais pour l'ensemble du territoire. Donc nous serons, je n'en doute pas, amenés à en reparler dans les mois qui viennent. Et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette démarche. Merci. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de soumettre cette délibération numéro 3 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? L'ensemble des groupes, cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Et nous abordons la délibération numéro 4, présentée elle aussi par Madame Compara. Oui, non ? Oui. Oui, donc là, on reste un petit peu dans le domaine des données et du numérique. Donc le projet DataTweet, dont il est question par cette délibération, est un projet de recherche, donc à l'origine duquel n'est pas la ville de Grenoble. Il est porté notamment par Grenoble INP. Et il est financé sur des crédits de l'Agence nationale de la recherche. Donc les partenaires ont répondu à un appel à projet et ont obtenu un financement dans ce cadre. Et en 2013, lors de cette réponse à l'appel à projet, la ville de Grenoble avait été sollicitée pour être associée à la démarche. Donc il s'agit de travailler sur ce qu'on appelle communément l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets, c'est l'idée que nous allons avoir de plus en plus dans notre quotidien des objets connectés, capables de communiquer, d'échanger des données. Nous avons déjà classiquement aujourd'hui les smartphones qui sont capables par exemple d'avoir des données de géolocalisation, donc de savoir où nous nous trouvons et d'échanger des données avec notre environnement. Mais l'idée de l'Internet des objets est que ces objets communicants se multiplient à l'avenir. Alors c'est une vision qui génère on va dire un certain nombre d'inquiétudes ou d'enthousiasme, avec à une extrémité du spectre un cauchemar à la George Orwell avec le moindre objet qui surveille vos faits et gestes, de la brosse à dents à la cafetière en passant par la voiture, les patins à roulettes, les vêtements, la vitrine du commerçant, et où on ne peut plus, comme dans certains films de science-fiction, faire un pas, que ce soit chez soi ou à l'extérieur, sans être fiché, surveillé. Donc là, on va dire l'extrémité flippante. Et puis à l'autre extrémité du spectre, on a un enthousiasme pour le progrès technique qui va sauver la planète et l'humanité en résolvant tous nos problèmes de mobilité, de bouchons, de pollution. Je caricature bien évidemment le propos pour vous faire pointer et sentir un petit peu les enjeux. Donc il y a à la fois des inquiétudes qui sont sur ces dossiers-là et en même temps des perspectives, effectivement, notamment de pilotage pour les collectivités locales. Donc l'intérêt particulièrement du projet DataTweet qui nous est proposé ce soir, c'est de travailler à des échanges de données anonymes, ce qui n'est pas toujours le cas notamment de certains prestataires commerciaux, et dans une logique de service public. Donc ce que souhaite expérimenter le groupement qui porte ce projet, c'est la mise en place d'un service public d'échanges anonymes de données qui permettront de fournir des services aux habitants. Des données de mobilité, par exemple, qui sont celles sur lesquelles la ville de Grenoble peut être sollicitée. Et donc l'objectif, c'est d'un peu de se servir de notre territoire comme d'un laboratoire à ciel ouvert, en s'appuyant sur les infrastructures communicantes de la ville, des points d'accès Internet, concrètement, pour que les différents objets que les chercheurs vont manipuler échangent par ce biais-là, permettent de récolter des données et permettent donc aux chercheurs d'étudier la faisabilité la validité de ce modèle. Donc la délibération qui est proposée à votre vote ce soir est une délibération qui continue ce travail qui a été initié il y a un an maintenant et qui consiste donc à prendre acte pour notre ville du fait que ce projet bénéficie du soutien de l'Agence nationale de la recherche et de permettre concrètement la mobilisation des financements qui ont été versés aux différents partenaires dans ce cadre. Merci. Monsieur Safar. Pour Madame Boukala, encore une fois, je suis désolé, Madame. D'abord, pour vous dire que, comme vous venez de le dire, Madame l'adjointe au maire, en effet, tout cela est dans la continuité du projet qui avait été initié il y a un an.
avec une très grande satisfaction pour ce qui concerne notre groupe, c'est de voir que deux sujets de cette application porteront particulièrement sur les mobilités et le trafic en ville. Et quand on parle de ville intelligente aujourd'hui, ça fait partie souvent des sujets immédiatement mis sur la table. Disons-le très clairement, il y a de vastes zones de progrès à faire sur Grenoble et sur l'agglomération en la matière. Donc tout cela va dans le bon sens. Là aussi, puisque notre rapport se fait en particulier par la mise à disposition de personnel, il faudra peut-être qu'on puisse revenir, mais en commission, pas forcément en conseil municipal, sur la mise en place exacte de ces mises à disposition, sur ce qu'elles revêtiront, puisque on parle de temps partiel. Est-ce que ça veut dire que ça va être du temps partagé ou pas entre la ville et le dispositif? Donc la demande qui était formulée par notre groupe, nous voterons la délibération bien entendu, c'était peut-être que vous puissiez revenir en commission, là aussi, dans le suivi du dossier, pour nous informer de la mise en œuvre de ce dispositif, y compris sur les aspects d'organisation du personnel municipal. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Peut-être des éclaircissements à amener immédiatement? Effectivement. Oui, simplement, on pourra effectivement y revenir plus en détail. Hein. Mais a priori, donc, le travail des personnels de la ville de Grenoble sur le projet se passera dans le cadre des services de la ville et de leur mission et consistera essentiellement à travailler effectivement sur les infrastructures communicantes de la ville. Voilà le niveau d'information que je peux donner ce soir, mais effectivement, nous y reviendrons par la suite. Très bien. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'ensemble des groupes. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 5 portant sur la convention relative à l'accueil d'élèves de l'école élémentaire Jean Jaurès à l'espace personnes âgées Pinal. Madame Capdepont. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues. Le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes a à cœur de favoriser une ville pour tous, une ville à taille humaine qui crée des lieux et des espaces de rencontre, qui favorise le partage de la richesse humaine, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-vivre. Nous sommes particulièrement attentifs au partage entre les jeunes enfants et nos habitants âgés. Aussi, nous souhaitons être toujours là pour appuyer les initiatives des habitants, ce qui permet d'être ouvert en permanence à toutes les idées nouvelles. À ce titre et de façon concrète, nous vous présentons ce soir une action allant dans le sens du bon vivre ensemble. L'espace personnes âgées, rue Pinal, dépendant du CCS, est fréquenté quotidiennement pour sa qualité d'accueil et la recherche de la convivialité et du vivre ensemble. Il s'agit d'un lieu de restauration, également d'animation, d'échange et de partage, ouvert sur le quartier. Tous les jours, on y partage bien plus que des repas, et nous savons tous que la solidarité entre les anciens est essentielle. À proximité, l'école Jean Jaurès accueille un nombre très important d'élèves au restaurant scolaire, environ 300. Des parents d'élèves se sont mobilisés pendant de nombreuses années et ont souhaité pouvoir trouver d'autres formes d'accueil pour leurs enfants. Des rencontres ont été organisées réunissant les services de la ville et du CCS, avec une préoccupation du travail sur le lien intergénérationnel. Ainsi, la nouvelle municipalité a soutenu, à titre expérimental, dès les mois de mai et juin 2014, un projet d'accueil partagé d'un groupe de 18 enfants au sein du foyer personnes âgées Pinal. Les objectifs étaient de développer des moments conviviaux, des liens entre générations sur un temps de déjeuner et d'animation, et par là même d'alléger des effectifs à l'école Jean Jaurès, à raison de 2 jours par semaine. Cette expérience a été concluante tant du point de vue des personnes âgées, comme je peux en témoigner, et du point de vue des enfants et des personnels de la ville et du CCS mobilisés, avec des temps conviviaux autour du chant, de la musique et tout simplement des discussions à table. Nous savons tous, mes chers collègues, combien ces instants d'échange sont précieux, à l'heure où on reproche souvent à notre société d'isoler les gens, les uns des autres, de les mettre dans des cases séparées. À l'avenir,
Si cette expérimentation s'avère concluante, nous pouvons espérer multiplier ces moments de rencontre et de découverte. Découverte pour les personnes résidentes de l'établissement, qui sont souvent bien plus curieuses qu'on ne l'imagine sur les jeunes et la jeunesse. Découverte pleine de respect aussi pour les écoliers, qui ont rarement, pour ne pas dire jamais, en dehors du cadre familial, l'occasion d'échanger d'égal à égal avec une personne âgée. Ainsi, et au vu de cette expérience, la ville de Grenoble et le CCS souhaitent reconduire de façon régulière cet accueil des enfants de l'école 2 fois par semaine pour l'année scolaire 2014-2015. Afin de préciser les conditions d'accueil des élèves et le rôle des différentes parties, il y a lieu de passer une convention entre la ville et le CCS. C'est l'objet de la présente délibération. Devant les Grenoblois, nous avons pris l'engagement de faire de Grenoble une ville pour tous. Une ville où les habitants se mélangent. Une ville qui fait toute sa place à la nouveauté. Les Grenoblois nous attendent sur ce point et ils ont raison. Je crois que ce projet de convention est une belle façon d'honorer cet engagement. Merci. Je vous remercie, Madame Capdepont. Y a-t-il des prises de parole, Monsieur Safar? Alors cette fois-ci, c'est au nom de Paul Bron. Je fais ce que je peux ce soir. Et ce sera très rapide, Madame Capdepont, Monsieur Malbet, d'abord pour vous dire notre satisfaction de voir que l'expérimentation qui avait été mise en œuvre avec le CCAS et la ville de Grenoble est continuée, pérennisée, dans un cadre où le foyer Pinal, c'est pas toujours très simple, parce que je ne sais pas si vous connaissez les locaux, ils ne sont pas très, très, très grands, et où cette question de l'intergénérationnel, du mieux vivre ensemble, ne va pas toujours de soi, pour tout le monde d'ailleurs, aussi bien les personnes âgées qui fréquentent le foyer que parfois la communauté éducative au sens large, non pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que les conditions d'organisation sont souvent complexes, elles demandent, et c'est d'ailleurs ce qui est évoqué entre autres ce soir, des règlements assez lourds sur les questions de responsabilité, de déplacement, pour que tout soit bien écrit. Et donc, Paul Bron, vous aurez dit sa satisfaction de voir en effet ce dispositif se mettre en place de façon définitive sur le foyer Pinal et l'école Jean Jaurès. Nous voterons donc cette délibération. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ? À mon tour, je me félicite de voir cette expérimentation portée par depuis de nombreuses années par les parents d'élèves déboucher. Je pense que ce lien intergénérationnel est effectivement fondamental et permet de répondre à plusieurs problématiques, à la fois la question des temps de cantine qui sont chargés pour nos enfants et donc ça fait également un petit peu moins d'enfants, ce qui est intéressant, un lien intergénérationnel qui perdure à l'échelle du quartier et qui fait que ces personnes âgées, qui pour le cas du foyer Pinal sont souvent des personnes isolées, après croiseront dans le quartier ces enfants avec qui ils ont mangé et auront du coup un lien tout au long de l'année avec ces enfants, ne serait-ce que par le temps partagé ensemble. Donc effectivement, ce projet porté pendant des années débouche cette année et nous pouvons tous nous en réjouir. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? L'ensemble des groupes, cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 6, portant sur l'opération Campus. Monsieur Clouer. Monsieur le maire, chers collègues, donc cette délibération propose au conseil municipal de décider d'honorer les engagements pris dans le cadre de la convention GUI Grenoble Université de l'Innovation et la participation financière de la ville sur le projet Maison de la Création et de l'Innovation pour un montant de 2 millions d'euros. Alors cette délibération a pour nous un sens politique particulier pour trois raisons. D'abord, c'est un projet très important en sciences humaines et sociales qui regroupe deux projets, celui de l'Université Stendhal, porteur du projet de la Maison de la Création, et de l'Université Pierre Mendès France, porteur du projet de la Maison de l'Innovation.
Ces deux universités ont décidé de s'associer pour construire un bâtiment commun situé sur le domaine universitaire. L'UPMF assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération immobilière, maison de la création et de l'innovation. Pour le compte des deux établissements, UPMF et Stendhal. À ce titre, l'UPMF sera le destinataire des financements prévus pour ce projet au titre de l'opération Campus. Il nous paraît essentiel de soutenir, dans le cadre de l'opération Campus, un tel projet qui vise à accueillir les activités pédagogiques et scientifiques les plus innovantes des deux grands établissements grenoblois. Et il nous apparaît essentiel de soutenir, dans une logique d'équilibre, entre les activités liées aux sciences humaines et sociales et les activités dites des sciences dures. Ensuite, parce que nous avons la conviction que les innovations technologiques et scientifiques sont généralement accompagnées par des innovations organisationnelles et ou sociales, sociétales, pour assurer la pérennité de l'avancée technologique. Plus généralement, nous pensons que des allers et retours entre d'un côté l'offre technologique et de l'autre le social sont nécessaires à une stabilisation de l'innovation. Ainsi, l'innovation doit être prise en compte dans son acceptation la plus large possible, au-delà de la seule innovation d'un produit. Il s'agit pour nous de soutenir des innovations au niveau des systèmes de production, des mécanismes de gouvernance, des modalités de production des connaissances scientifiques, des politiques et des modèles d'action publique. Enfin, il s'agit pour la ville de Grenoble d'honorer sa signature de la convention partenariale de site Grenoble Université de l'Innovation du 28 mars 2011 qui fixe les dépenses à mettre en œuvre pour la période 2010-2020 ainsi que les modalités de financement de l'État et des collectivités sur ces projets. Je vous rappelle également que ce projet universitaire se réalise en MOP, maîtrise d'ouvrage public, et non pas en PPP, partenariat public-privé, ce qui pour nous fait un sens tout particulier. Chers collègues, je vous rappelle que la ville s'est engagée à contribuer à hauteur de 8 millions d'euros à l'opération Campus au complet. Elle a déjà engagé 5 millions d'euros sur les trois premières opérations, IEP, Institut IBS, Institut de biologie structurale et Pôle Santé. Selon les dispositions de la Convention, la ville s'est engagée à financer le projet de la Maison de la Création pour 2 millions d'euros. Sachez que la région Rhône-Alpes la finance à 19 millions d'euros et la métro à 1,8 pour un budget total de 22,8 millions d'euros, donc 28,2 millions d'euros au total et 2 millions d'euros pour la ville de Grenoble. Bien sûr, ce projet est la réalisation d'un bâtiment d'une surface de 7400 m² qui comprend différents espaces administratifs, pédagogiques et également des plateformes de recherche et d'expérimentation. J'ai vu dernièrement les plans avec le vice-président de l'UPMF en charge de ce projet-là. Il y a même prévu un ascenseur pour faire monter une voiture pour faire des expérimentations sur la question de la sécurité, sur la question de l'alcoolisme au volant. C'est donc un projet qui vise à regrouper des entités pédagogiques et scientifiques et qui ont des vocations à la complémentarité dans les domaines de l'économie, du droit, de la gestion, de l'histoire, de la culture, des médiations, de l'informatique, de la psychologie, des sciences de l'éducation et des sciences politiques. En premier lieu, elle va regrouper le projet Maison de l'innovation, donc UPMF, qui regroupe trois entités distinctes, la structure fédérative de recherche INNOVAC, INNOVAX, qui signifie innovation, connaissance et société, le G2I, Grenoble Institut de l'innovation, la SFR, la structure fédérative de recherche santé et société, qui va s'appuyer sur des expertises dans les domaines de la psychologie, des neurosciences, de l'économie et des sciences politiques, des politiques publiques, au sens très large du terme. En second lieu, le projet Maison de la création, porté par Stendhal, qui regroupe des recherches et des formations qui s'inscrivent dans les champs de la création et dans les champs des industries culturelles. Je voudrais terminer cette présentation pour vous rappeler un certain nombre d'exigences que nous portons liées à notre soutien sur ce projet. La première, c'est de souligner que ce projet doit développer des complémentarités avec l'École supérieure d'art de Grenoble, et que nous souhaitons qu'un rapprochement entre l'École supérieure d'art de Grenoble et cette maison de l'innovation et de la création soit étudié. La deuxième a trait à la question de la transition écologique. Nous souhaitons en effet rappeler à cette occasion, même si ça ne sera pas forcément effectif pour ce projet, que
D'une manière générale, pour les projets sur le campus, les projets universitaires, développement universitaire sur le campus, l'attention doit être aujourd'hui clairement portée à la réhabilitation du patrimoine universitaire plutôt qu'à la construction de nouveaux bâtiments, quand on sait les mètres carrés qui sont non utilisés dans ces espaces. Enfin, la troisième exigence est que nous souhaitons que les financeurs, dont la ville de Grenoble, soient associés à un comité de suivi au-delà de la construction du nouveau bâtiment. Cette association vise pour nous un double objectif, que les collectivités aident à faire émerger un pôle sciences humaines et sociales fort, en équilibrant sur le territoire par rapport à un pôle des sciences dures, et en retour, que ce pôle sciences humaines et sociales aide, en utilisant toutes les compétences sur le site et puis tous les travaux scientifiques, aide les collectivités dans la conduite de leur politique publique. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole ? Aucune. Je mets donc cette délibération sur l'opération Campus et la Maison de la création et l'innovation aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et donc qui est pour ? L'ensemble des groupes. Cette délibération numéro 6 est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 7. Portant avis de la ville de Grenoble relatif au projet de déclassement de l'installation nucléaire Siloé du CEA à Grenoble. Monsieur Fristeau. Oui. Mesdames, Messieurs, chers collègues, trois réacteurs de recherche du CEA à Grenoble ont fonctionné à l'uranium hautement enrichi et ont terminé leur phase d'exploitation. Ils sont en fin de démantèlement. Mais l'usine a été utilisée jusqu'en 1988 et a été déclassée en 2011. Silhouette, déclassée beaucoup plus petit en 2007. Il reste le cas du réacteur Siloé, dont nous parlons aujourd'hui, 35 MW, en fin de démantèlement, qui attend son déclassement, c'est-à-dire la sortie de la liste administrative des installations nucléaires de base. L'avis de la ville de Grenoble est sollicité, selon les textes en vigueur, sur le dossier de déclassement. Donc c'est un épais dossier qui rassemble les éléments techniques d'évaluation, et on va voir des insuffisances de ce dossier. Le coût du démantèlement de Siloé s'élèverait à 100 millions d'euros. Donc c'est quand même significatif. Sur ce dossier, notre attention a été attirée par la durée du démantèlement de l'installation, prévue en 2005 pour 5 ans initialement, mais plusieurs décrets, parce que ce sont des autorisations nationales, ont modifié la date de fin de démantèlement, ceci jusqu'en avril 2014. Donc ce sont 4 ans de retard pour finir le démantèlement. Après une étude plus poussée des éléments du dossier, il s'avère que le CEA a d'abord envisagé de procéder à un démantèlement de Siloé en deux phases, laissant finalement la base, la plateforme sur laquelle repose le bâtiment, ça s'appelle le radier. Le CEA voulait que ce soit démoli en filière classique. L'autorité de sûreté nucléaire n'a pas admis cette formule et a donc obligé le CEA à décontaminer, y compris cette plateforme, ce radier, et aussi la terre située en dessous qui avait fait l'objet de contamination. Nous sommes donc allés chercher des éléments un petit peu historiques de ce dossier, puisqu'il apparaît, en recherchant, que plusieurs pollutions ont eu lieu lors du fonctionnement de ce réacteur de recherche. Selon le Haut Comité pour la transparence et l'information de la sécurité nucléaire, plusieurs événements notables ont affecté l'installation. De 1965 à 1972, plusieurs défauts d'étanchéité du bloc piscine ont occasionné des fuites, essentiellement composées de tritium. Et en 1986, une fuite d'eau à travers du carrelage de la piscine a contaminé le radier et il y a une fuite jusque la nappe. Mais encore pire, on peut dire, l'Agence internationale de l'énergie atomique signale une fusion partielle de pastilles de combustible de Siloé lors d'essais en surpuissance le 7 novembre 1967. Il convient donc, devant l'ensemble de ces éléments, de demander que l'État
fasse une expertise par un organisme indépendant des exploitants du nucléaire pour déterminer en toute transparence l'impact du fonctionnement de Siloé dans les eaux et dans les sols. Alors, le dossier qui est soumis à notre avis voulait imposer une simple restriction d'usage conventionnel au profit de l'État. C'est une formule simplifiée qu'il convient de renforcer pour ne pas perdre la mémoire sur l'activité du site. Comment cela est possible ? Il est proposé de demander une servitude d'utilité publique de restriction d'usage pour garder la mémoire. Ceci est inscrit au plan local de l'urbanisme et ça figure donc dans tous les actes d'urbanisme futur. Donc c'est une garantie finalement de conserver la mémoire. Il est essentiel qu'une servitude d'utilité publique soit établie par l'État sur cette parcelle et ne se limite pas à une simple restriction d'usage. Quand je dis ça, sachez que ça a déjà été fait sur d'autres installations. Je veux parler de sites pollués sur le site sur Tesserre, Bouchaillé-Vialet, le parvis Lunéel donc sur la ZAC Presqu'île, le Clos des Fleurs aussi. Donc tout cela a été possible dans des cas, de pollution peut-être chimique. Il faut le faire aussi, appliquer ce raisonnement à l'installation nucléaire de base Siloé. Je termine en disant que dans ce dossier, il apparaît encore un petit point flou concernant le niveau de décontamination qui manque de clarté. Le dossier donc est imprécis à propos du niveau de seuil maximal admissible en niveau de la contamination. Là encore, il y a des imprécisions, je ne vais pas développer au niveau technique, mais tous les conseils municipaux ont reçu une note des services. Donc c'est la note du 20 octobre 2014 à l'attention de l'ensemble des membres du conseil municipal, où vous avez les éléments si vous souhaitez avoir l'information. Là encore, il est important de procéder à une analyse précise par une expertise indépendante. C'est la garantie d'avoir une lecture nouvelle du dossier. Nous avons demandé, pour exemple, des résultats de contrôle radiométrique imposés par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on a les courriers, ils sont même en ligne. Sur 30 prélèvements demandés par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, nous n'avons eu communication, la ville de Grenoble, que de 4 résultats. Donc où sont les autres prélèvements ? Ont-ils été effectués ? Conclusion, je ne vais pas être plus long. Il convient de faire progresser ce dossier et donc d'émettre un avis négatif sur le dossier actuel de déclassement de l'installation nucléaire de base numéro 20, c'est son petit nom, présenté par le CEA à l'autorité de sûreté nucléaire. Ceci afin que le dossier progresse avant qu'il ne soit rendu public, car la procédure impose de solliciter l'avis des habitants pour la suite lors d'une enquête publique. Je vous remercie, Monsieur Fristeau. Monsieur Breuil. Oui, Monsieur le maire, je ne vais pas être aussi alarmiste que Monsieur Fristeau, même si je comprends effectivement ce qu'il nous a expliqué. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup le nucléaire, ça peut se comprendre. L'histoire nous montre qu'il y a eu effectivement des événements tout à fait terribles. Donc il est clair qu'il faut être très très prudent. Cela dit, je crains un petit peu ces débats dans lesquels on s'envoie à tour de bras des chiffres. Vous parlez dans cette note qui nous a été communiquée par les services de Becquerel. Un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Nous sommes tous des sources de désintégration. Entre 5000 et 10 000 Becquerel par seconde, c'est ce que nous dégageons comme radioactivité. Et vous nous parlez dans cette note de quelques dizaines ou même de quelques dixièmes de Becquerel par centimètre carré. Donc je crois qu'il faut quand même rester un peu raisonnable. Vous nous avez rappelé qu'il y avait une petite fusion du cœur. Sauf erreur de ma part, 16 à 18 grammes, c'est-à-dire le volume d'un petit doigt. Alors je sais que c'est embêtant, c'était quand même dans un réacteur en phase d'essai. Je vous rappelle quand même que la masse critique de l'uranium 235, c'est 6 kilos. On était quand même vraiment très 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 loin de la catastrophe. Donc moi je pense qu'il faut évidemment suivre ce dossier avec beaucoup beaucoup d'attention, mais je pense qu'il faut redemander au contraire à l'ASN de nous transférer les 26 résultats de prélèvement qui manquent. Ou ça n'a pas été fait, et dans ce cas-là, c'est scandaleux,
ou alors ils nous cachent des chiffres, et il faut qu'on le sache. Mais je crois que ce serait bien plus pertinent d'avoir une réponse argumentée par cette analyse technique. C'est très facile de s'envoyer des rapports, des chiffres et des machins, ça peut durer 10 ans, et le résultat c'est toujours le même. Moi je suis dans le concret, il faut que l'on ait les résultats précis de ces 30 forages, et après nous pourrons avoir une attitude beaucoup plus scientifique. Car malheureusement, ce bout de terrain, ce bout de territoire, il est quand même dans la presqu'île, il peut avoir de très nombreux usages, et effectivement, le déclasser complètement, ou plutôt le classer comme une zone dangereuse et suspecte ad vitam aeternam, ça risque un jour ou l'autre de pénaliser des projets municipaux. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres... Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Front national. Qui est contre ? Qui est pour ? Le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cet avis est donc adopté. Et nous arrivons à la délibération numéro 8, portant sur l'avenant au contrat de délégation de service public et la tarification de la Belle Électrique. Salle de musique amplifiée. Madame Bernard. Merci, monsieur le maire. En préambule, pour rester sur la culture, vous annoncez une bonne nouvelle. Suite à la délibération prise ensemble ici le 21 juillet, qui annonçait le lancement de la concertation sur la culture, je vous annonce aujourd'hui que la date est trouvée et je vous donne tous rendez-vous le lundi. Enfin, nous vous donnons rendez-vous, pardon, le lundi 8 décembre 2014 à 18h. Le lieu est quasi sûr, mais ce serait le théâtre municipal de la ville de Grenoble. Voilà, donc première grande journée où tous les Grenoblois, et pas simplement les acteurs culturels, mais tous les Grenoblois qui ont envie de discuter, parler culture, parler objectifs de la politique culturelle, sont les bienvenus. Mais je reviens à cette délibération. Parce qu'il y a quand même une deuxième bonne nouvelle, c'est que le 6 novembre, la ville de Grenoble récupère les clés, puisque l'équipement municipal La Belle Électrique est livré donc à la ville. Le maire et moi-même étions présents pendant le festival Jour et Nuit pour aussi annoncer une autre bonne nouvelle, l'ouverture de La Belle Électrique le 10 janvier 2015 pour une journée... et une très longue nuit gratuite pour tous ceux qui auront envie de découvrir cet équipement. Voilà, ça c'était la partie un peu sympa. Maintenant, un avenant de contrat de délégation, c'est pas forcément sympa, mais c'est surtout très important. Donc là, il nous faut revoir la durée de la délégation de service public, puisqu'on a un décalage puisqu'on a un décalage de la livraison de cet équipement. Je vous ai dit que ça arrivait que le 6 novembre. Il nous faut aussi adopter les tarifs en tant que délégants pour que l'association Mixlab puisse mettre en prévente la programmation, si possible, dès demain ou après-demain. Donc voilà, un avenant à convention que vous avez pu lire, et je réponds aux questions s'il y en a. Y a-t-il des questions ou des interventions ? Parfait. Qu'une ? Voilà qui semble clair. J'avais tout dit. Vous avez tout dit, effectivement. Donc, je soumets cette délibération numéro 8 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Unanimité. Qui s'abstient ? Oh. National. Très bien. Qui est contre ? Qui est pour ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération sur l'avenant au contrat de délégation de service public et la tarification de la Belle Électrique est donc adoptée. Je vous remercie. Nous arrivons à la délibération numéro 9, portant là aussi sur un avenant, portant sur l'avenant d'Alpexpo. Madame Olmos. Monsieur le maire, mes chers collègues, en juillet dernier, le conseil municipal a voté une délibération de principe anticipant la clôture des comptes d'Alpexpo.
Celle-ci annonçait une modification des flux financiers entre la ville et la SEM. Il est essentiel de préciser que cette modification est nécessaire afin d'assurer la pérennité de l'activité de cet équipement, mise à mal par une mauvaise gestion passée. En effet, malgré une recapitalisation effectuée fin 2013 pour un montant de 4,8 millions d'euros, la dette d'Alpexpo s'élève pour l'exercice 2013 à 3,5 millions d'euros. Concernant cette créance de la ville, et dans le but d'augmenter nos possibilités de récupérer nos dus, nous proposons les aménagements suivants. Une transformation en capital social de la dette correspondant aux provisions pour travaux, un étalement de la dette restante à partir de 2015 et sur une période de 10 ans, l'annulation des flux financiers sur 2014 et 2015. Les flux financiers comprennent un loyer, le remboursement de la taxe foncière et la redevance. L'avenant annexé vient préciser ces aménagements financiers nécessaires pour éviter la situation de cessation de paiement imminente. Nos partenaires financiers, que sont le trésorier municipal et la commissaire aux comptes d'Alpexpo, nous ont d'ailleurs rappelé l'urgence de statuer à propos de cette dette et de son exigibilité. L'état financier actuel de l'équipement, résultant d'une longue histoire marquée par beaucoup d'atermoiements, engendrant de tels compromis financiers et l'incapacité à redresser la situation en gardant la même organisation malgré la récente recapitalisation, mettent en danger la continuité du service public. Nous sommes donc contraints d'annoncer, en même temps que ces mesures financières, l'arrêt de la délégation de services publics à la société Alpexpo d'ici fin 2015, et ceci pour motif d'intérêt général. Cependant, nous renouvelons notre attachement à ce bel outil récemment remis à neuf qu'est Alpexpo. Au-delà d'aménagements financiers et pour mettre fin au déficit structurel, nous préparons enfin les actions nécessaires pour assurer un avenir viable à Alpexpo. Il est urgent de revoir le modèle économique de l'équipement afin de relancer son activité et de sauvegarder ses événements. Une première étude effectuée par un cabinet externe relative à la comptabilité analytique a été lancée afin de déterminer quelles activités sont bénéficiaires et quelles autres sont déficitaires. Cela permettra de mieux cibler l'action commerciale et de déterminer le juste prix pour les prestations. Une seconde étude, pilotée par le service du contrôle de gestion de la ville et effectuée par un cabinet extérieur, est en cours et doit dégager différents scénarios quant aux futurs modes de gestion possibles. En toute transparence, les premiers résultats ont été présentés jeudi 16 octobre aux membres du conseil d'administration d'Alpexpo, ainsi qu'aux membres de la majorité et des oppositions siégeant aux commissions ressources et évaluation et métropolitaine. Ces scénarios vont être affinés et début 2015, en accord avec la métro, nous reviendrons délibérer pour adopter un nouveau modèle économique à mettre en place d'ici la fin de la DSP actuelle, afin d'assurer au mieux l'avenir des activités gérées à ce jour par la SEM Alpexpo. À Alpexpo comme ailleurs, le redressement est engagé dans la transparence que nous devons aux Grenoblois. Modifié tel que l'amendement était porté également par Mme Olmos. Y a-t-il des prises de parole ? Mme Dornano. Mes chers collègues, Monsieur le maire, tout d'abord nous observons avec satisfaction que les idées du Front National émises dans la conclusion de notre intervention sur Alpexpo lors du Conseil municipal du 21 juillet dernier ont toutes été retenues. Dans la presse du 30 septembre, vous reconnaissez qu'il faut réorienter l'activité en laissant de côté celles qui sont les plus déficitaires, ce que nous appelions redimensionner. Et le 7 octobre, vous publiez une annonce pour recruter un directeur commercial et un directeur d'exploitation. On applaudit des deux mains. Par contre, il nous semble trop facile d'utiliser le prétexte du transfert d'Alpexpo à la métro pour simplement passer l'éponge sur l'énorme passif. La ville a recapitalisé la SEM l'année dernière à hauteur de 4,8 millions. Elle vient d'investir 11,8 millions en rénovation des bâtiments et Alpexpo doit toujours 3,6 millions. La solution que vous proposez, qui transforme la dette en un prêt à long terme, revient dans la pratique à l'annuler. La suppression des charges revient à demander à la ville de les financer en pure perte, sans aucun retour possible. La métro est censée apporter des économies d'échelle et non pas des coûts supplémentaires. Il n'y a aucune raison pour qu'Alpexpo arrive au 1er janvier 2015 avec les compteurs remis à zéro. L'ensemble des charges impayées passées
et futur doit être passé en dette, même si cela ne changera rien aux capacités actuelles de remboursement d'Alpexpo. Cela permettra à la ville d'enregistrer dans les comptes une dette que devra payer la SEM une fois transformée en autre chose par la métro. Comme le propose l'audit de KPMG, l'ancienne SEM pourrait facturer des droits de marque afin de rembourser peu à peu. Des pistes existent. Il faut trouver la forme juridique et comptable pour ne pas léser le contribuable grenoblois, raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Merci. Je vous remercie. J'avais eu demande de prise de parole de M. Mongaburu, puis de M. Safar. Il me semble que c'était tout. Merci, M. le maire. Chers collègues, la première foire de Grenoble a eu lieu il y a 84 ans. Alpexpo, notre palais d'exposition qu'il héberge aujourd'hui, a été construit pour les Jeux Olympiques de 1968. Nous reprenons aujourd'hui la responsabilité de cet héritage. Et cet équipement contribue à l'activité du territoire métropolitain et génère d'importantes retombées économiques. Les différentes foires et salons, congrès, spectacles bénéficient aux entreprises du territoire métropolitain et à sa population. Mais Alpexpo connaît depuis 4 ans de graves problèmes économiques. Grenoble était pourtant, il y a 20 ans à peine, le troisième site en région en nombre de foires et expositions, le troisième site seulement derrière Lyon et Bordeaux. Mais il y a 15 ans, la ville a signé une délégation de services publics qui n'a pas fait ses preuves, c'est le moins qu'on puisse dire. Dès ses débuts, la gestion de cette société d'économie mixte n'était ni très performante, ni très professionnelle, comme le relevait la Chambre régionale des comptes dès 2007 dans son rapport sur la période 2002-2006. Et à partir de 2006, des pertes apparaissaient et la ville devait alors prendre en charge la prochaine tranche des travaux de rénovation achevée cet été. L'année 2008 voit le départ du directeur général et le maire de l'époque annonce la nomination d'un nouveau directeur général dont les qualités ont déjà occupé les débats du conseil municipal de notre ville en 2012. Dans un audit, on pouvait lire une diminution significative du chiffre d'affaires, un niveau de charge en constante progression, un résultat exceptionnel très fortement impacté par des indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle, une trésorerie passant de 4 800 000 euros en 2008 à 400 000 euros en 2011, de nombreuses anomalies dans la politique d'investissement et d'achat. Fin de citation. Directement alerté par des salariés victimes de harcèlement moral, l'ancien maire n'a pas voulu donner la moindre suite à ces plaintes qui ont abouti, et ce fut une première en Rhône-Alpes, à la condamnation pénale du directeur et de l'élu président, condamnation désormais confirmée en cour d'appel. Entre fin 2011 et le 30 mars 2014, la seule chose que faisaient l'ancien maire et son équipe était donc de recapitaliser Alpexpo à hauteur de 5 millions d'euros et d'installer une direction de transition. Alors oui, depuis le 30 mars, le travail complexe pour redéfinir le modèle économique et de gestion, pour assurer l'équilibre et la continuité du service public, depuis le 30 mars, nous avons commencé ce travail, sans cesse remis à plus tard, pendant les 15 années précédentes. Aujourd'hui, une nouvelle étape importante est prise dans ce travail. En juillet, une délibération demandait au maire d'engager des discussions avec la métro sur les conditions et modalités d'un transfert d'Alpexpo à la future métropole. Ces discussions sont en cours. Le projet métropolitain pour Alpexpo est désormais en construction avec tous les acteurs, élus de tous bords et actionnaires publics comme privés. Il s'est avéré nécessaire de mettre un terme à la délégation de services publics de 1999, 4 ans avant sa fin, pour relancer une nouvelle délégation, une délégation plus en correspondance avec la réalité économique des foires, salons et congrès de 2014. Entre 2000 et 2011, Alpexpo a perdu plus de 30% de chiffre d'affaires en termes réels. 30% qu'il faut regagner en l'espace de 4 ou 5 ans. Ce regain de chiffre d'affaires doit être fait sur la base des priorités claires pour Alpexpo.
quel positionnement vis-à-vis des autres équipements, notamment le Palais des Sports et le World Trade Center? Qui coordonne la commercialisation et la prospective? Alpexpo, le bureau des congrès métropolitains ou une structure indépendante financée par les acteurs locaux du tourisme d'affaires? Le cabinet KPMG a commencé, sur commande de la ville, en septembre, un travail de fond dont les premiers éléments, Madame Olmos l'a rappelé, ont été présentés la semaine dernière, y compris aux membres du CIAD Alpexpo, de la métro et des conseillers municipaux, dont les élus d'opposition, les élus socialistes et Front National, n'ayant pas cru nécessaire de se déplacer, et je le regrette pour ma part. Ce travail, il continue, alimenté par les contributions de tous les acteurs, publics ou privés, en vue d'une délibération lors d'un prochain conseil municipal. Depuis la création de la société, la comptabilité analytique d'Alpexpo ne permettait toujours pas de fixer valablement les tarifs et les budgets. Dans quelques jours, une étude du cabinet Deloitte in extenso, sur commande d'Alpexpo cette fois-ci, permettra d'y remédier, et ce cabinet a déjà commencé à affecter 4000 écritures comptables des années 2012 et 2013 aux différents centres de coûts afin de déterminer exactement combien quelle activité permet de gagner ou pas à Alpexpo. Alors aujourd'hui, soyons modestes, personne ne possède de réponse définitive sur le modèle économique qui serait le meilleur choix. Et c'est cela qui caractérise notre majorité, bien que ça en perturbe certains, la concertation, la recherche du meilleur scénario, sans a priori, et l'implication de tous les acteurs dans la prise de décision. Une chose est pourtant sûre, une nouvelle délégation de services publics sera lancée et nous attendons le remboursement sur 10 ans d'au moins 80% des dettes d'Alpexpo. Malgré le ballon d'air de la délibération présentée ce soir, qui allège les charges d'exploitation de 1,4 million d'euros par an et transforme plus d'un million d'euros de dettes en nouveau capital social, ce qui est plus malin qu'une recapitalisation telle qu'elle avait été faite antérieurement, la situation d'Alpexpo reste critique parce que beaucoup de temps a été perdu. Mais en même temps, on voit le redressement se profiler à l'horizon. Le salon Semicom Europe était un franc succès avec 5000 participants, 500 exposants. Deux nouveaux salons, dont le salon de l'hôtellerie et des métiers de bouche, ont fait le plein, avec exposants et visiteurs plus que satisfaits. La préparation de la foire d'automne progresse bien, malgré le climat de morosité économique. C'est petit à petit que le chiffre d'affaires perdu sera regagné. Le temps des hésitations, de l'absence de vision et d'une gestion approximative est révolu. Avec méthode et détermination, je vous le confirme, nous réparerons. Merci, Monsieur Mongaburu. Monsieur Safar. Bien, mes chers collègues, juste un élément d'information pour mon collègue Mongaburu, sans a priori. J'avais pris la peine d'écrire au maire de Grenoble pour excuser mon absence en commission qui était liée à un déplacement professionnel. J'espère que cela a été porté à la connaissance des commissaires. Si ce n'est pas le cas, je le fais ce soir. Mais mon cher collègue, vous êtes devenus des élus professionnels, nous n'en sommes plus. Donc à chacun de gérer ses contradictions. J'ai entendu avec beaucoup d'attention ce que vous venez de dire sur les pistes de redressement. Elles sont relativement classiques. Elles consistent à évoquer une amélioration du chiffre d'affaires, plus exactement de l'activité d'Alpexpo, ce qui n'est ni nouveau ni très original et qui a été évoqué dès le début de la crise, avec une vraie difficulté de le mettre en place. Et comme vient de le dire M. Mongaburu, cela se fait petit à petit. Semicon était une première étape de ces gains potentiels de chiffre d'affaires et de visibilité. Je m'en réjouis, et je me réjouis et de la réussite, puisque visiblement les échos sont très positifs, et du fait qu'il y a 2 ans, quand l'équipe de Semicon Europe a sollicité et Alpexpo et les collectivités via M. Astier et l'AEPI, chacun se soit mobilisé pour que cela soit une réussite. À confirmer donc pour qu'Alpexpo demain puisse accueillir à nouveau ce type d'événement ou d'autres. Le succès de Semicon ira dans le bon sens et permettra de valoriser ce qu'est Alpexpo aujourd'hui fortement. Les travaux qui ont été engagés, qui sont évoqués un peu rapidement, l'ont été en effet sous la précédente municipalité. Ils ne permettent pas de rénover l'ensemble du bâtiment, malheureusement.
Ils ont été supportés exclusivement ou quasiment exclusivement par la ville de Grenoble en son temps. C'était normal, quoique, là encore, la métro, même si ça n'était pas sa compétence, et pour les raisons que vous avez évoquées, le fait que cela bénéficie à l'ensemble de l'économie locale, bien au-delà du territoire grenoblois seulement, aurait pu ou aurait dû participer à ce financement. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, lorsqu'il s'est agi de réagir financièrement, nous avons choisi la recapitalisation et de voir comment nous pouvions travailler, déjà d'ailleurs avec KPMG et Deloitte, pour voir comment Alpexpo pouvait être redressé. La nouvelle directrice générale, d'ailleurs, s'est inspirée très fortement des pistes qui étaient déjà proposées. Plus de salons, plus d'accueil d'événements qui permettaient normalement de dégager suffisamment de chiffre d'affaires et de marge nouvelle pour assurer à Alpexpo une santé financière renforcée ou renouvelée. Les choses n'ont pas été faciles. Je ne dirais pas qu'elles n'y aient pas arrivées, parce que ça peut être perçu comme un jugement de valeur sur l'action qui a été menée, mais dans le temps qui lui était imparti, le fait est qu'aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas arrivés à un résultat, et c'est le moins qu'on puisse dire, on en avait parlé en juillet, qui est un résultat satisfaisant. Vous faites le choix que vous aviez présenté cet été, et qui n'est donc pas une surprise, de réorganiser d'une certaine façon les charges d'Alpexpo, la dette, d'effacer une partie de ces charges-là au bénéfice demain de son équilibre financier. On peut donc parier, et il vaut mieux le parier, qu'en effaçant ces charges financières, Alpexpo connaisse au moins un retour à l'équilibre qui sera quand même, mes chers collègues, disons-le très clairement, d'une certaine façon factice. Si nous annulons des charges fiscales qu'Alpexpo est obligé de payer normalement, mais nous avons cette capacité à les annuler. J'avais posé la question en juillet à la direction générale qui m'avait dit que nous pouvions le faire sans changer le contrat de DSP, sans être obligé de refaire un appel à candidature sur ce contrat, puisque la question se posait de savoir si c'était bien légal. Nous donnons quand même un avantage en allégeant les charges d'Alpexpo comparatif extraordinairement fort et puissant. Nous sommes donc sur la voie d'un redressement financier, mais qui sera un redressement financier seulement par les allègements de charges et pas par l'amélioration du chiffre d'affaires. C'est donc bien sur ce dernier point, l'amélioration de l'activité, son renforcement, qu'il va falloir maintenant travailler au projet d'Alpexpo, ici et à la métro. Tout ça n'est pas gagné, parce que M. Mongaburu, vous l'avez dit, quand il y a 15 ans, une majorité autre a choisi de renouveler un contrat et de passer un contrat de DSP avec Alpexpo, nous étions en effet dans un contexte où Grenoble restait une ville extrêmement forte sur la question des foires, des congrès et des salons. Nous devons donc aussi nous interroger pour voir pourquoi aujourd'hui cette position ou cette position de force qui était celle de Grenoble n'est plus aussi évidente. Et vous avez donné les chiffres, donc ils sont clairs pour tout le monde, en 2014 qu'ils l'étaient il y a une vingtaine d'années. Le contexte n'est donc pas de savoir comment nous allons gérer seulement Alpexpo, le Palais des Sports et le World Trade Center, mais comment nous allons travailler dans un contexte de concurrence territoriale qui s'est durci parce que depuis, les investissements qui ont été faits par d'autres collectivités leur ont permis de développer des outils qui, en termes d'accueil, de foires, de salons et d'expositions, nous ont mis en grande difficulté. Et je ne parle pas de l'accueil hôtelier, je ne parle pas de toute autre chose qui mériterait là aussi que ce soir nous nous y arrêtions beaucoup plus longuement. Alors nous ne voterons pas contre cette délibération, nous nous abstiendrons. Pour 2 raisons, monsieur le maire. D'abord parce que nous pensons qu'il faut donner à Alpexpo et à la ville la chance de ces conditions de redressement. Et qu'il faut savoir à un moment arrêter les débats pour le débat sur un outil qui, je le dis quand même ici, derrière les gros titres potentiels de la presse, représente une activité du personnel qui mérite l'attention et le soutien de tous les élus municipaux, quelles que soient les solutions que nous avons en tête pour son redressement et son évolution future. Enfin, parce que justement, ce qui est important maintenant, c'est qu'ici et à la métro, soit porté le projet futur pour Alpexpo de développement, projet commercial, la structure qui portera demain l'outil. Je n'ai pas en tête quelque chose de précis, et visiblement, si j'entends M. Mongaburu ce soir, les choses sont encore ouvertes,
Dont acte. Et nous verrons bien à ce moment-là comment cette équipe municipale, comment la métro, la métropole, pour dire les choses très clairement, engageront une réflexion sur un nouveau projet autour des foires, des salons et des expositions, au-delà même de ce seul équipement. Donc pour nous, je vous demande de l'entendre. Le vote contre aurait été, encore une fois, à nos yeux, un vote de blocage du dialogue potentiel, puisque j'ai entendu que tous les acteurs feraient partie de la concertation et de la réflexion. Le fait que nous vous disons très bien, dont acte, nous voyons ce que vous faites en choisissant d'alléger les charges. Je ne sais pas si tout cela sera correct et en termes de rectitude légale totalement apprécié par tout le monde, mais ça n'est pas notre débat. Nous voulons qu'Alpexpo se sorte de la difficulté qui est la sienne depuis plusieurs années, et cette abstention doit être perçue de notre part comme une volonté de ne pas obérer la réalité du débat par une espèce d'écran de fumée sur le passé, ce que nous pouvons nous en dire les uns et les autres en nous jetant les noms d'oiseaux habituels à la figure. Nous en sommes habitués. Ce soir, j'ai eu droit au Tartuffe ou à d'autres choses. Mais écoutez, il y en aura peut-être d'autres, mais nous, nous souhaitons ce soir apaiser les choses et vous laisser travailler. Monsieur Breuil. Monsieur le maire, permettez-moi de poser un peu la question qui fâche. Est-ce que vous pensez que deux villes comme Lyon et Grenoble peuvent se permettre toutes les deux d'avoir aujourd'hui de tels équipements ? Il est clair que la ville de Grenoble, elle est ce qu'elle est, mais la ville de Lyon est quand même plus importante. Elle a développé tout récemment un nouveau palais des congrès sur le quai du Rhône, sur le quai Charles de Gaulle. Elle a considérablement repris son palais des expositions de Satolas. Ce palais est aujourd'hui desservi par un tramway. Les parkings y sont à discrétion et sans difficulté. Donc est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a vraiment de la place pour deux encore, ou est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt peut-être à ce que les deux structures se rapprochent un petit peu pour essayer de bénéficier de complémentarité? Parce que quand on est à Grenoble, on est à Satolas en trois quarts d'heure si l'autoroute fonctionne bien. Je suis désolé. Alors justement, je pense qu'effectivement nous avons fait preuve dans ce dossier, comme dans deux, trois autres, d'une motivation résolument tournée vers l'avenir, donc ne cherchant pas à chercher le pourquoi du comment de l'état plus ou moins réjouissant dans lequel nous avons trouvé la situation, mais bien de nous tourner vers l'avenir. Et lors des discussions que nous avons eues avec les différents partenaires économiques, que ce soit les actionnaires de la société d'économie mixte ou les acteurs économiques du territoire, c'est bien cette question-là, celle que vous posez, qui nous a été, qui a été première pour nous, à savoir, faut-il, pour le territoire grenoblois, un outil tel que celui-là? Et c'est à cette réponse que l'ensemble des acteurs a répondu favorablement. Cela correspond, je crois, de plus à une vision multipolaire de la région Rhône-Alpes, de la région Rhône-Alpes-Auvergne bientôt, qui fait que oui, il existe plusieurs pôles d'activité, plusieurs pôles de vie, et que oui, les bénéfices en termes de développement économique d'un lieu comme Alpexpo, d'un palais des congrès, ne sont pertinents que s'ils amènent une activité directe sur le territoire, et notamment une activité hôtelière, qu'elle soit pour les nuitées ou pour la restauration, de même qu'un lien de proximité pour les acteurs économiques, et on l'a vu à propos de Semicon, comme à propos d'ailleurs du salon de l'hôtellerie, un lieu de proximité sur lequel ils peuvent tisser des actions qui, avec leurs partenaires locaux et leurs partenaires nationaux et internationaux, qui les amènent à faire avancer leurs projets. Donc c'est bien dans ce sens-là que nous avons choisi de conserver cet outil, que le chemin est étroit, que le chemin du redressement passe d'abord par un travail de concertation avec la métropole et l'ensemble des acteurs économiques pour l'avenir de ce lieu. C'est à cela que nous nous sommes attachés. Marcher sur cette corde raide qui est la situation sur laquelle nous avons trouvé, avancer, poser les pierres, et je crois que la comptabilité analytique est en train d'être mise en place, sera un élément déterminant pour pouvoir piloter cet outil. Et nous savons également qu'un outil comme celui-là, comme n'importe quelle entreprise qui perdait plus de 30% de son chiffre d'affaires en perte sèche, en perte de résultats à la fin de l'année, nécessitera également une action, une volonté de tous et un temps certain.
Donc oui, nous pensons évidemment que ce lieu a de l'avenir, que ce lieu a de l'avenir et que la métropole grenobloise sera un des bassins de vie forts de la région Rhône-Alpes Auvergne au même titre que la région genevoise. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Si ce n'est pas le cas, je vais donc mettre cette délibération numéro 9 aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Alors, il faut d'abord voter l'amendement qui a été présenté par Madame Olmos. Effectivement, donc je mets aux voix l'amendement, rappelant que les administrateurs de la SEM ne participent pas au vote et donc pour certains ont même quitté la salle. Amendement à cette délibération numéro 9, qui ne prend pas part au vote ? Donc les administrateurs, qui s'abstient ? Le groupe de gauche et de progrès, qui est contre ? Le Front National, qui est pour ? Le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes, hormis donc les administrateurs qui ne prennent pas part au vote. Cet amendement est donc adopté. Je mets aux voix la délibération ainsi amendée. Qui ne prend pas part au vote ? Les mêmes. Qui s'abstient ? Le Rassemblement de gauche et de progrès. Qui vote contre ? Le Front National. Qui vote pour ? Le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Voilà qui clôt les délibérations, les premières délibérations. Et nous arrivons donc aux vœux déposés par le groupe Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Un vœu portant sur le maintien des dotations de l'État aux collectivités locales. Un vœu que je vais défendre et donc je vais vous exposer les motifs maintenant. Ce vœu est d'une importance, à notre sens, fondamentale, structurante. Nous l'avons vu dans plusieurs milliers de collectivités locales depuis quelques semaines, à la fois l'interrogation politique et l'interpellation forte du gouvernement concernant la baisse des dotations aux collectivités territoriales. Nous sommes là dans cette politique de baisse des dotations aux collectivités territoriales, dans un mouvement massif, puisqu'il s'agit d'une baisse de plus de 28 milliards d'euros qui a été décidée, cumulée, qui a été décidée pour les trois prochaines années. Une baisse qui, pour la ville de Grenoble, sur cette période 2014-2017, sera d'un total de 41 millions d'euros. 41 millions d'euros sur cette période de 4 ans de baisse de dotation. Pour vous donner une idée et avoir une idée de l'échelle, nos recettes de fonctionnement sont de moins de 300 millions d'euros et nous aurons pendant les 4 années qui arrivent une baisse de dotation cumulée de 41 millions d'euros. Nous sommes donc là face réellement à une mobilisation et nous appelons de nos voeux une mobilisation générale contre l'austérité, une mobilisation générale contre cette politique récessionniste qui trouve finalement sa source dans la politique d'austérité pour les dotations aux collectivités territoriales menées par le gouvernement et qui se traduit dans les territoires par des éléments extrêmement concrets puisque, vous le savez également, 70% de l'investissement public, 70% de l'investissement public est réalisé par les collectivités locales. Nous sommes donc là vraiment à la conjonction de la traduction réelle, factuelle pour nos concitoyens, pour notre action politique, de la mise en œuvre de cette politique récessionniste qui ne résout pas le problème de la dette. Nous l'avons vu et nous le verrons encore dans les débats budgétaires et nous le voyons aujourd'hui dans les débats dans lesquels sont embourbés les différents gouvernements à la Commission européenne, mais qui trouve une réalité concrète aujourd'hui pour le nombre d'écoles que nous devons construire, pour le nombre de logements que nous devons construire, pour le nombre de logements que nous devons réhabiliter, pour également les services de proximité, les services de solidarité, et les services publics directs que nous devons mettre en œuvre pour nos concitoyens. Cette mobilisation générale va enfler, elle a déjà pris sa source, le bureau de
de l'AMF, l'Association des maires de France a voté à l'unanimité, différentes collectivités se mobilisent, des citoyens également se mobilisent à travers des pétitions de façon très forte contre ces baisses de dotation. Nous avons là une nécessité de débat public, car cette traduction, si ce maintien des baisses de dotation devait s'avérer effectif, serait un drame pour l'ensemble de nos collectivités et pour l'ensemble de nos habitants. Il ne nous faut pas oublier dans ce débat-là que le débat sur la dette publique et le débat sur la crise financière et ses sources ne trouvera d'issue que à la fois dans la régulation financière, à la fois dans une réflexion profonde sur les politiques d'investissement autour de la transition énergétique, dans également la réflexion profonde autour des mécanismes de création monétaire. Mais aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est bien, à l'heure où en plus la ville de Grenoble est face à une double peine, elle a à la fois une situation financière qui est délicate. En quelques années, cette situation financière s'est dégradée. Il y a à la fois la situation des impôts, mais il y a aujourd'hui des équilibres légaux à tenir en termes d'autofinancement et de financement des dotations aux amortissements, qui font que nous sommes sur la brèche. Cette baisse de dotation dans les trois prochaines années va avoir un impact massif à la fois sur nos fonctionnements, nos interventions directes tout au fil de l'année, et également sur nos capacités d'investissement nécessaires pour les projets politiques, nécessaires également d'ailleurs pour le développement économique de l'agglomération. Le vœu que nous proposons aujourd'hui est donc un vœu largement, qui a largement mobilisé l'ensemble des collectivités territoriales, quelle que soit leur couleur politique, et qui vise à porter ce débat-là sur la place publique. C'est maintenant qu'il faut le faire. Le vote du budget sera pour l'État avant Noël. Il sera pour nous au mois de février. C'est bien maintenant qu'il nous faut porter cette intervention sur la place publique. Maintenant également, et nous en avons entendu un certain nombre de nos parlementaires qui s'inquiétaient de cette situation, maintenant également que nos parlementaires isérois, comme l'ensemble des parlementaires, doivent se mobiliser, car ils constatent sur leur territoire la concrétisation de cette politique d'austérité. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire à propos de ce vœu, qui interpelle donc à la fois le gouvernement, qui interpelle l'instance de dialogue national qui a été annoncée par le gouvernement et que nous demandons, dont nous demandons la réunion, qui évidemment demande le maintien des recettes locales des collectivités territoriales et qui interpelle nos députés et sénateurs attachés à la sauvegarde du service public, qui porte ce vœu également à l'Assemblée nationale et au Sénat lors des débats budgétaires auxquels ils participeront. Je vous remercie pour votre attention sur ce sujet qui est critique et qui sera d'importance dans les semaines à venir. Nous aurons l'occasion, lors du prochain conseil municipal, de revenir également sur la problématique générale budgétaire de la ville de Grenoble. Y a-t-il des prises de parole? Monsieur Safar, Monsieur Breuil. Monsieur le maire, elle sera rapide. Sur les éléments en gras du vœu, je dis pour le public, ce sont les éléments qui figurent à la fin du vœu et que vous avez exposés. Très sincèrement, il n'y a pas de désaccord majeur avec vous pour dire qu'aujourd'hui, le fait que les collectivités se voient depuis maintenant de très nombreuses années trop contraintes par la réduction des dotations de l'État va finir par poser un problème, une équation insoluble entre la nécessité de maintenir un niveau d'investissement important, et vous l'avez dit, 75% ou 70% de l'investissement public est porté par les collectivités, et en même temps réduire les déficits du pays. Ce débat-là existe, il existe, je crois, dans toutes les familles politiques de l'échiquier aujourd'hui, et il ne nous gêne pas, en effet, de dire à l'État, par ce vœu-là, attention à ne pas faire quelque chose qui pourrait être regretté et qui aurait un effet inverse à ce qui est souhaité, parce qu'il faut aussi rétablir les finances et les comptes publics de l'État en particulier. Sur le dernier point, émettre un vœu pour que les députés et les sénateurs se saisissent du dossier, je dirais que d'une certaine façon, vous n'avez pas besoin de nous pour que le Conseil municipal, vous n'avez pas besoin du Conseil municipal plus exactement pour vous adresser à ceux-ci et leur demander d'agir.
Il y a là une volonté peut-être de le faire plus publiquement, mais là où évidemment il y a pour nous une gêne évidente, c'est que le texte qui accompagne ces points que vous avez évoqués est lui quand même, comment dire, non pas dénué d'a priori, puisque tout à l'heure on nous a parlé de sans a priori, et qu'il focalise beaucoup sur le gouvernement actuel. Vous comprendrez donc, parce qu'il faut de la cohérence, que nous ne voterons pas le vœu, nous ne nous y opposerons pas non plus, je le dis très très clairement, nous ne participerons pas à celui-ci, au vote de celui-ci, nous estimons que les attendus méritent d'être débattus, mais le maigre qui accompagne ces points que vous avez évoqués est pour nous un point de gêne que je préfère évoquer ici très tranquillement et que j'évoque donc pour expliquer la position et l'explication de vote qui sera la nôtre. Monsieur Breuil. Oui, monsieur le maire, si j'étais à votre place, je crois que j'aurais fait un vœu quasiment identique. Car malheureusement, la situation financière de notre commune, elle est dramatique. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et vous avez eu l'honnêteté de comparer ces 41 millions d'euros à nos 300 millions et quelques de budget de fonctionnement. On peut aussi les rapporter aux 25 millions d'euros qu'on a emprunté au début de cette année, auquel il faut ajouter encore 12 millions d'euros du budget supplémentaire. Alors je crois qu'il faut d'ores et déjà que l'on regarde l'avenir en face. À quoi va ressembler notre prochain budget? Je ne voudrais pas être à la place de M. Hakim Sabri, parce qu'il va devoir résoudre une équation improbable. Ou alors vous réaugmentez de... Si, M. Hakim Sabri, on est bien d'accord, il est bien adjoint aux finances. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que vous allez devoir augmenter encore de 10 ou 15% les impôts locaux, comme ça a été fait en 2008 ou 2009? Est-ce que vous avez décidé d'emprunter maintenant à hauteur de 50 millions d'euros et ça ne durera pas? Alors je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi je peux vous dire que nos propositions, c'est aujourd'hui de faire des économies. Je sais que Mme Bernard va m'en vouloir encore une fois, mais il y a quand même des dépenses qui ne sont pas strictement obligatoires. Eh bien, commençons par faire comme aurait fait tout un chacun en tant que bon père de famille, eh bien, ne pas dépenser de l'argent qui n'est pas strictement nécessaire et de l'argent aujourd'hui que l'on n'a plus. Merci. Monsieur Confesson. Oui, merci, monsieur le maire. Simplement quelques éléments de réponse aux oppositions et un petit point sur le point de vue du RCGE sur le vote de ce vœu. Nous voulons simplement dire par le maigre, justement, monsieur Safar, que nous pensons qu'il faut pointer les responsabilités dans la politique mise en œuvre et qu'il est impératif que les Grenoblois sachent à qui nous nous adressons lorsque nous voulons condamner ces politiques d'austérité. Les politiques mises en œuvre ne sont pas le fait de contraintes imposée par une sorte de loi qui voudrait qu'on cherche absolument à réduire la dépense publique. Il s'agit de choix politiques décidés en haut lieu, au niveau européen et au niveau national, et qui aujourd'hui ont des conséquences directes pour le quotidien de nos concitoyens. Les politiques d'austérité, telles qu'elles sont appliquées dans un grand nombre de pays européens, n'ont pour l'instant produit aucun résultat, ou tout du moins aucun résultat bénéfique. En effet, les impacts importants qu'elles ont sur les conditions d'existence sociale de tout un chacun sont aujourd'hui considérables, et plus particulièrement dans les pays du sud de l'Europe les plus touchés par la crise économique. Que les choses soient claires aujourd'hui, nous ne souhaitons pas subir le sort des peuples portugais, grecs ou espagnols, qui ont aujourd'hui vu un recul dramatique de leurs conditions de vie sous le coup de politiques d'austérité injustes, qui ont grévé la dépense publique, ont démantelé les services publics, ont mis fin à l'état social qui régnait encore dans quelques maigres parcelles de l'économie et de l'intervention de l'État dans ces pays. Il est important, aujourd'hui, d'impulser une résistance à cette pensée du tout austéritaire qui veut que nous soyons condamnés, finalement, à vivre toujours moins bien et qui condamne les nouvelles générations à des conditions d'existence moins bonnes que celles de leurs aînés. C'est la raison pour laquelle il nous paraissait important aujourd'hui d'adresser un message fort. Grenoble, en tant que ville citoyenne et ville mobilisée, se devait d'apporter une parole qui soit aussi radicale que possible sur les conséquences néfastes des politiques mises en œuvre. En ce qui concerne l'interpellation de M. Breuil, nous voulons redire ici que nous avons pris l'engagement de ne pas faire peser sur les Grenoblois le coût des politiques mises en œuvre sur des niveaux qui nous dépassent. Il est donc hors de question de répercuter les baisses de dotation de l'État sur des augmentations d'impôts locaux. Vous l'avez dit, les politiques qui nous sont imposées et cette réduction des dotations de l'État nous imposera de gérer le budget de manière extrêmement stricte.
Nous sommes au travail aujourd'hui pour faire en sorte que le soutien que nous pouvons apporter à nos services publics locaux, à nos associations, à nos concitoyens, puisse perdurer dans des conditions aussi dignes que possible. Des choix devront être faits, ils seront faits en toute connaissance de cause. Aucune dépense n'est inutile, aucune dépense publique n'est superflue. Des choix douloureux devront être faits, nous les ferons, là encore, dans le souci de l'intérêt général et dans le souci d'apporter au plus grand nombre les conditions d'existence les plus dignes qui soient. Je vous remercie. Merci. Peut-être à tout le moins, je peux m'étonner effectivement de cet accord sur la rédaction en gras et cette interrogation sur le maigre, puisque c'est bien le gouvernement qui fait les choix qu'il fait, qu'il n'y a encore pas si longtemps, nous étions tous mobilisés déjà contre le gel des dotations, avec en interpellant de façon limpide les gens qui décidaient le gel des dotations, à savoir le gouvernement, à l'époque, le gouvernement de M. Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Là, depuis, donc, la situation a radicalement changé. Nous ne sommes plus face à un gel qui a déjà mobilisé toute notre attention jusqu'en 2013. Nous sommes rentrés dans une phase de baisse, une phase de baisse qui est massive. Je le rappelais, 41 millions d'euros donc, par rapport à nos de dépenses cumulées en 4 ans. Au total, ça fera pas loin de 20 millions d'euros en année pleine à partir de 2017. C'est à mettre en comparaison, si on veut prendre là aussi quelques éléments pour rendre les choses factuelles, c'est 80% du budget des subventions aux associations, de toutes sortes, qu'elles soient sportives, culturelles ou associations. Donc on est là face à un enjeu qui est majeur et qui est nouveau, qui est radicalement nouveau et qui va avoir des conséquences énormes pour l'ensemble des collectivités. Ce choix du gouvernement, aujourd'hui, il est remis en cause de façon bien plus violente que ce que nous faisons dans notre texte, puisque là, nous ne faisons que constater, par des élus, qu'ils soient de gauche, de droite, qu'ils soient écologistes ou d'ailleurs, qu'ils soient d'ailleurs parfois membres de la majorité, dans des termes beaucoup plus vigoureux. Donc le choix que nous avons fait là, c'est le choix d'un vœu qui porte sur le fond, qui donne l'enjeu, parce que je crois que la nécessité, quand nous rentrons dans cette phase de discussion budgétaire, c'est que les Grenobloises et les Grenoblois soient conscients et se saisissent de ce débat public, car effectivement, il va avoir des conséquences importantes. Et ces conséquences importantes, pour répondre à M. Breuil, les hausses d'impôts, nous y sommes opposés, puisque l'impôt local est l'impôt le plus inégalitaire qu'il soit. Il est forfaitaire, ou quasiment, donc il n'est même pas progressif, ni même linéaire. Nous sommes engagés, mais quand bien même, nous ne sommes pas à l'échelle. C'est-à-dire que la hausse d'impôts massive qui a eu lieu en 2009 a amené un financement de 9 millions pour une hausse de 10 millions d'euros, de 10% des impôts, n'a amené qu'une amélioration de 9 millions d'euros des recettes de la ville. Là, on n'est pas à l'échelle. On est face à un problème qui est nouveau. À la fois, notre point de départ est nouveau, puisque les finances de la ville sont sur la brèche, et la période que nous avons en face de nous est radicalement nouvelle, puisque c'est 41 millions qui vont être enlevés en 4 ans, c'est 20 millions en année pleine à partir de 2017, représente un enjeu fondamental pour la capacité de la ville. Et je porte là, en portant ce message, non seulement la voix de la ville de Grenoble, mais la voix de milliers de maires et de collectivités locales et de présidents de collectivités locales qui se sont également alarmés de cette situation, puisque leur situation est la même, évidemment, que la nôtre pour ce qui relève de la baisse des dotations. Voilà, il me semble que ce débat va mobiliser, et j'espère mobiliser l'action publique également dans les semaines qui arrivent. Nous sommes maintenant à moins de 2 mois du vote du budget par l'État. Je mets un tout petit point, Madame Dornano. En tant que parlementaire européen, je vous signale quand même que le budget de la France va être retoqué. Alors, il va falloir encore faire plus d'économies, c'est ce que demande Bruxelles. Alors, je ne vois pas comment on peut arriver, si vous voulez, c'est très bien d'écrire ça, mais vous savez très bien que ça n'est pas possible.
vu le contexte. Voilà ce que je voulais vous dire. Le contexte est un débat, est un contexte de débat public. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons différentes situations en Europe. Nous avons les pays qui ont été les plus frappés par les mouvements spéculatifs des grandes banques et des grands fonds de pension des pays du sud de l'Europe. Nous avons le Royaume-Uni qui a la main sur sa banque centrale puisqu'il ne fait pas partie de l'euro et qui a un déficit aujourd'hui d'environ 7% du PIB sur son budget, donc qui est dans une situation qui est encore plus dramatique que la nôtre en termes de déficit budgétaire. Nous avons l'Allemagne où, au prix d'efforts absolument colossaux, mais qui ont un impact en Allemagne, la baisse de l'espérance de vie, maintenant en France, on a une baisse de l'espérance de vie en bonne santé depuis 2006. En Allemagne, il y a maintenant, pour les deux derniers déciles de la population, une baisse de l'espérance de vie tout court. Donc il y a des conséquences fortes et il y a, vous avez pu le voir également dans la presse, depuis quelques semaines en Allemagne, un débat extrêmement fort de la part de l'ensemble du monde économique qui dit que les investissements sont au point mort et que cette politique uniquement tournée vers le commerce extérieur amène une situation déplorable pour l'intérieur de l'Allemagne et pour ses infrastructures qui ne sont même pas maintenues. Encore il y a trois semaines, je crois que un des ponts à Leverkusen, un des ponts en face de l'usine Bayer, n'était plus accessible aux camions, et donc les camions sont en train de faire un immense détour uniquement parce qu'il n'y a plus d'investissement et que ce pont n'a pas été entretenu. Donc je crois que les différentes solutions qui ont été abordées à la fois dans le sud de l'Europe, la situation de l'Allemagne, la situation du Royaume-Uni et la situation de la France, l'Italie et quelques autres, tous sont dans l'impasse. Donc pour ma part, je continue de penser que le débat public, s'il porte sur les vrais éléments, à savoir comment sortir de cette situation en termes de financement de la dette, quelle position en termes de création monétaire nous faut-il trouver collectivement, quelle lutte sur la régulation financière qui a commencé mais qui est encore pour l'immense partie à venir, comment nous portons cela sur la place publique puisque nous savons qu'il n'y a pas d'autre issue quel que soit le modèle. Et donc, nous portons effectivement ce débat sur la place publique de façon forte. Je pense que c'est que comme ça que nous en sortirons. S'il n'y a plus d'autres prises de parole, je mets donc ce vœu aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Le Front National. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Donc, ne prend pas part au vote pour le Rassemblement de gauche et de progrès, et un vote pour le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Je vous remercie. Cela clôt donc le premier bloc des délibérations, et nous entrons maintenant dans les délibérations thématiques, en commençant par la ville durable et la délibération 10, qui vous est exposée par Lucille Lheureux. Oui, je voudrais revenir sur cette délibération pour vous rappeler dans quel contexte elle s'inscrit. Donc c'est une délibération qui vise à l'aménagement des espaces publics et en l'occurrence des trottoirs dans le cadre de la réalisation d'aménagement des contre-allées, de réaménagement des contre-allées à la suite de l'installation du trameau sur le cours Jean Jaurès et le cours de la Libération. Tout en conservant l'enveloppe budgétaire initiale prévue, nous avons saisi la marge de manœuvre qui était à notre disposition à notre arrivée au printemps pour modifier quelques aménagements à plusieurs niveaux. Tout d'abord, strictement du point de vue de la végétalisation, nous avons pris le temps de rediscuter avec les habitants et de prendre en compte les différents courriers et remarques qui apportaient quelques réserves, sinon des critiques, sur les aménagements qui ont été réalisés sur le cours Jean Jaurès. Et donc nous avons à la fois réorienté le cadre de cette végétalisation, notamment en changeant certains aménagements l'aménagement paysager, et surtout rajouté des espaces végétalisés, notamment devant les maisons de retraite, certains commerces, etc., pour valoriser ces espaces dédiés aux piétons. De plus, le traitement des contre-allées complets était prévu uniquement sur le cours Jean Jaurès et jusqu'à l'avenue Rochambeau, et s'arrêter strictement au nord du croisement avec l'avenue Rochambeau, alors que au côté sud de ce croisement, des commerces méritaient eux aussi largement à ce que cet espace soit repris avec la même qualité que sur la partie nord de ce cours.
pour mettre en valeur ces commerces et avoir un esprit de placette qui se prête largement à cet espace, puisqu'on est dans un lieu proche du parc Pompidou qui attire de nombreuses familles et qui est un lieu important de la vie du quartier. Et donc nous avons souhaité avoir ce traitement de qualité également au niveau de ces commerces situés au sud. Enfin, dans cette délibération, nous vous proposons de permettre la reprise des trottoirs dans leur totalité jusque la rue des Alliés, ce qui n'était initialement pas prévu. Et donc, par là, nous voulons marquer notre attachement à envisager les aménagements des espaces publics dans l'ensemble des quartiers avec le même soin que ce qui peut être fait et ce qui a été fait jusque-là, notamment dans les parties plus nord de la ville. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération ? C'est effectivement une demande qui est fortement remontée de la part des habitants, le traitement des lieux au sud de l'avenue Rochambeau. C'est bon ? Je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour l'ensemble des groupes. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 11 qui porte sur des régularisations foncières avec Actis autour de l'opération Châtelet. Une petite présentation, oui, rapide. Donc deux régularisations foncières, une de 65 mètres carrés sur le Châtelet dans le cadre du renouvellement urbain. Cession à l'euro symbolique d'une part et l'autre concernant chemin d'Isly, donc une surface de 463 mètres carrés constituant une voie privée et intégrer cette voie privée dans le domaine public de la ville de Grenoble pour l'euro symbolique. Donc d'une part céder à Actis la première parcelle et d'autre part acquérir auprès d'Actis à l'euro symbolique toujours la dernière parcelle dont je viens de parler. À 1 euro. L'avis de France Domaine est fourni. Très bien, pas de prise de parole, c'est régularisation foncière. Je la mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Front National, qui est contre ? Qui est pour ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, j'imagine, oui. Et le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Délibération numéro 12 sur le renouvellement urbain de la Villeneuve. Bon, c'est des ventes de box, je ne pense pas que ça nécessite une prise de parole, sauf s'il y a des questions particulières. Donc on continue hein, sur les parkings. Ça, c'est les ventes de box dans le nouveau parking, pardon, tout à fait. Ce n'est pas les ventes dans ceux qui restent pleins avant démolition. Pas de prise de parole, je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Le Front National ? Qui est contre ? Qui est pour ? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Délibération 13, c'est des validations de charges foncières pour l'opération Châtelet. Idem. Même vote. Oui, donc cette délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération 14. Portant sur l'acquisition des acquisitions des cessions et là aussi divers biens, Monsieur Fristo. Donc juste une opération d'acquisition concernant un parking dans le silo 3. Donc ça, on l'a fait couramment dans les conseils municipaux précédents. Par contre, il y a aussi une cession à Actis d'un immeuble situé 4 rue Étienne Forest. Suite à une préemption afin de créer 8 logements sociaux de petite taille. Oui. Vous avez l'avis de France Domaine qui est fourni dans la délibération. C'est un projet effectivement intéressant puisque c'est des locaux, des logements de petite taille, des logements sociaux qui sont donc rue Étienne Forest, donc à 2 mètres de la gare et sur une opération 4 mètres de la gare, je vois dans les yeux. Et donc qui offre un nouveau modèle puisqu'il y a là rachat d'un immeuble et donc remise, c'est du logement privé qui passe logement social. C'est donc bien en ligne avec ce que nous essayons de porter. Y a-t-il des interventions ? Non, je mets cette délibération aux voix.
Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Le Front National. Qui est contre? Qui est pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Délibération numéro 15 sur une subvention à l'ENSAG, l'école d'architecture. Un point particulier, non? Non. Je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour l'ensemble des groupes? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 16. C'est l'adhésion à l'Observatoire des logements neufs. Y a-t-il des questions? Non. Je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Le Front National. Qui est contre? Qui est pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Délibération numéro 17. Une convention de partenariat financier entre la métro et la ville de Grenoble sur l'opération Bajatière. Pas de questions particulières? Non, je vous remercie. Donc cette délibération est mise aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Le Front National. Qui vote contre? Qui vote pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Délibération numéro 18. Il s'agit du rapport d'activité de la Régie des eaux de Grenoble. Un petit point particulier, Madame Olmos, pour nous présenter ce rapport d'activité. Monsieur le maire, mes chers collègues, voici quelques éléments à noter à la lecture du rapport d'activité et des comptes financiers 2013 de la Régie des eaux de Grenoble. Le volume d'eau facturé diminue de 3,5% par rapport à 2012. Le chiffre d'affaires corrigé, correspondant à la vente d'eau, est en légère hausse, plus 2,98%, soit 9 192 000 euros en 2013. Le tarif du mètre cube d'eau a été majoré de 1 centime d'euro. La Régie des eaux de Grenoble possède une structure financière particulièrement saine, avec une capacité de remboursement d'emprunts qui s'améliore et une autonomie financière importante. Il est essentiel de rappeler que les lourds investissements réalisés par la Régie des eaux permettent chaque année un renouvellement important des réseaux, ce qui permet d'assurer un bon rendement. De multiples indicateurs viennent attester de la qualité du service public rendu. Le taux de réclamation écrite est en dessous de 1%. Celui des interruptions de services non programmées est proche de zéro. Le respect des délais d'ouverture des branchements est parfait. Les indices de conformité microbiologique et physico-chimique sont presque parfaits. L'Agence régionale de santé classe d'ailleurs la qualité de l'eau au robinet des Grenoblois au plus haut, avec la mention « eau de très bonne qualité ». Précisons que toutes ces mises en œuvre se sont effectuées en parallèle d'un prix de l'eau les plus bas de France, 1,195 euros hors taxe par mètre cube. C'est dans ce contexte que de nombreuses communes font appel à l'expérience de la Régie des eaux de Grenoble en matière de gestion publique, que ce soit par ses actions d'économie sociale et solidaire ou par les contributions qu'elle peut apporter à l'échelle européenne, la Régie des eaux de Grenoble fait de notre ville un acteur reconnu dans le monde de l'eau. Pour terminer, ajoutons que le potentiel de production disponible de la Régie reste abondant sur le site de Rochefort. Aussi, à la veille du transfert de la compétence eau à la métropole et dans l'opportunité de mutualiser ses services, la Régie des eaux de Grenoble a évolué en Régie à autonomie financière, la Régie des eaux potables, adossée à une société publique locale, la SPL Eau de Grenoble. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport d'activité? Monsieur Breuil. Oui, ce sera plutôt juste une question. En fait, là, maintenant, c'est le passé. Le rapport est fait par Jacques Schenck, directeur général de tout ça. Donc, le rapport est très élogieux. Il n'y a effectivement aucune raison de mettre en doute sa parole. Et c'est vrai que l'eau de Grenoble est de qualité. Elle n'est pas à un prix rédhibitoire. Ça va plutôt dans le bon sens. Simplement, je voudrais poser une question un peu de prospective, puisqu'il est question, bien sûr, de remettre tout ça dans la métro aujourd'hui. Et je voudrais savoir si l'eau conservera ses mêmes caractéristiques lorsqu'on aura mélangé les eaux
du Sierre et les eaux de la régie des eaux de Grenoble, puisque nous avons un forage qui nous est attribué manifestement, et le Sierre est sur un autre forage. Est-ce qu'on conservera la même qualité d'eau ou est-ce qu'on va tout mélanger pour avoir quelque chose qui sera peut-être moins bien? Non, alors, vous faites bien de flatter M. Cheng, puisqu'il est, je le vois dans l'assistance, donc il en sera sans doute ravi. Je crois que la fusion... et le nouveau mode d'organisation sur l'ensemble du bassin métropolitain ne changera pas la qualité de l'eau. Nous avons la chance d'avoir une eau effectivement pure et non traitée. Et je crois que c'est une priorité, je crois que pour l'ensemble des acteurs politiques de cette ville, une priorité qui a été rendue possible également par le travail acharné pour remettre cette eau dans un service public il y a 15 ans maintenant, qui fait également que effectivement beaucoup de villes, beaucoup de collectivités se rapprochent de la régie des eaux, se rapprochent des acteurs qui ont permis cela aujourd'hui pour partager cette expérience, puisque vous savez que cette question de la remunicipalisation de l'eau et maintenant, vu l'échéance des contrats qui faisaient pour une bonne part 25 ans lors de la grande vague de privatisation des années 80, pour certains, arrive à échéance. Donc nous sommes là dans un modèle dont l'objectif de la métropole numéro 1 affiché est bien de conserver cette qualité et l'aspect non traité. Il y a également de conserver l'aspect implication des usagers, qui a été permise par le comité des usagers, de permettre également la gestion du prix et la gestion des investissements de long terme, puisque les réseaux d'eau sont des investissements qui portent sur des dizaines d'années, et un grand nombre de dizaines d'années, et que là aussi, la municipalisation de ce service public et de ce besoin et de cette ressource fondamentale a permis d'augmenter fortement les réseaux. Donc il y aura des débats, évidemment, dans cette modification à l'espace métropolitaine, car tous les réseaux n'ont pas fait l'objet d'investissements aussi développés que celui d'un réseau de la régie des eaux de Grenoble, et que là, ça sera évidemment un des enjeux des discussions que nous aurons à l'échelle de la métropole. Je mets aux voix ce rapport d'activité, ce compte financier. Donc la délibération en fait porte sur la prise d'acte du rapport d'activité et du compte financier. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Le Front National ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. La délibération numéro 19 porte là aussi sur un rapport annuel, mais cette fois-ci sur le stationnement en ouvrage du parc Chavant. Y a-t-il un exposé nécessaire, Madame Olmos? Non, rien de spécial. Vous avez eu ce rapport. Des questions particulières? Non, je mets donc cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Le Front National. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de gauche et les écologistes. Délibération numéro 20. Monsieur, qui présente cette délibération? S'il y a un besoin de présenter, excusez-moi, Madame Lheureux. Donc, il porte sur la dénomination, les tarifs et l'avenant à la DSP. Donc, la présente délibération porte sur le nouveau parking qui sera mis en service le 1er décembre prochain, rue des Trembles, en remplacement des parkings silos 3, 4 et 5 existants et qui seront déconstruits. Ce parking aura donc une capacité totale de 456 places, comprendra des places en plateau, 233, des box pour les abonnés, 140, et des box propriétaires, donc 96. Par cette délibération, il est proposé d'abord de dénommer ce parking parking de l'Arlequin, cette toponymie étant assez évidente, sachant que ce parking sera à proximité de la rue et de la galerie de l'Arlequin. Deuxièmement, de retenir les tarifs mensuels suivants pour les places de parking. 30 € mensuels pour un emplacement simple, 45 € pour un box, 60 c'est un box de grande hauteur, et 5 € pour les charges des propriétaires de box.
il vous est également proposé de passer un avenant au contrat de DSP passé en 2010 avec la société EFIA, qui prévoyait que ce parking soit inclus dans le périmètre de la DSP lors de sa livraison. Ce contrat de DSP court de 2010 à 2018. Il est à noter que ce contrat sera déficitaire de 3 000 euros pour EFIA, selon les hypothèses retenues et discutées avec les services communaux compétents, et qu'il ne sera pas un élément d'augmentation de la rentabilité de ce contrat. Enfin, pour compléter l'information, je vous rappelle que l'ensemble des parkings en ouvrage et en enclos passe sous la compétence métro au 1er janvier 2015. Y a-t-il des questions, des commentaires sur cette délibération? Madame Kerkacharian. Excusez-moi. Chers collègues, conseillers municipaux, monsieur le maire, la mise au vote de cet avenant au contrat de délégation de service public des parkings en ouvrage était initialement prévue, vous vous en souvenez certainement, au conseil municipal du 15 septembre 2014. Nous avions alors fait le choix de la reporter, parce que l'intégration dans ce contrat du nouveau parking 345, situé dans la partie réaménagée de la Villeneuve, a été sujette à de nombreux débats. N'oublions pas le point 50 de nos 120 engagements dans lequel nous proposions le retrait de la gestion des parkings au secteur privé. Nous n'avons pas changé d'avis. Nous voulons reprendre en gestion publique toute notre offre de stationnement. Il en va de nos engagements écologistes et citoyens, autant en matière de mobilité que de contrôle des coûts et des tarifs. Nous avons donc consacré pas mal de réunions à étudier avec soin, de façon contradictoire, étayer comment nous pourrions gérer ce nouveau parking. À ce titre, nous remercions les services de la ville qui nous ont fourni un appui technique important, mais vraiment nécessaire pour répondre à nos nombreuses interrogations. Il s'est avéré que la gestion directe pour ce seul silo 345 aurait été impossible à organiser d'ici janvier. D'une part, elle nous aurait demandé un effort financier immédiat qui aurait comporté un risque supplémentaire du fait de la modification contractuelle. D'autre part, elle aurait pénalisé les habitants de la Villeneuve en retardant l'ouverture de plusieurs mois. Qu'aurions-nous dit à ceux qui, dans l'attente d'un parking sécurisé depuis plusieurs années, se seraient retrouvés avec cet équipement flambant neuf sous leur nez sans même pouvoir l'utiliser? Pour autant, cet avenant est-il pour nous une marche en arrière? Non. Il nous permettra de passer la compétence stationnement à la métropole avec un ensemble intégré d'ouvrages pour préparer au mieux le passage au futur mode de gestion à l'issue du contrat en 2018. Nous sommes déçus de ce qu'on appelle ici un coup parti. Mais nous l'assumons. Les habitants de la Villeneuve ont besoin de ce parking. Quant au passage en gestion publique, nous tiendrons le cap collectivement, soyez-en sûrs. Merci, Madame Kerkacharian. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je mets cette délibération aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Le Front National. Qui est contre? Qui est pour? Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen, la gauche et les écologistes. À l'heure où nous accueillons ceux qui arrivent juste pour le repas. Mais très discrètement. Délibération numéro 21, qui sera donc la dernière avant la pause, et qui porte sur l'autorisation de signature d'un contrat d'abonnement avec la société Europcar. Je ne sais pas s'il y a une prise de parole, mais cette délibération est assez claire par elle-même, puisque c'est une convention entre Europcar et la ville sur le parc en enclos de la gare. Pas de prise de parole particulière? Non, je la mets donc aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Le Front National, parce qu'il y a Europe dedans. Qui est pour? Le Rassemblement de gauche et de progrès, le Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Cette délibération est donc adoptée. Et 21h00, comme à notre habitude, nous sommes exactement à l'heure. Et donc, c'est la pause repas.